we had New Year's party almost 15 years ago. And it was quite informal, you know, there was wine and so. Barbie was sitting at the end of the table. And when I said that this bastard Hitler, you know, had betrayed the idealism of the German youth, he jumped up, you know, absolutely furious, and shouted, you know, "In my presence, no one says anything against the Führer!" And he got really red in his face, you know. It was like something exploded in him, you know, something he really believed in, you know. I mean, absolutely narrow-minded, you know, no discussion about it. The Führer is number one, you know, and I'm sure in his prison cell in Lyon he has Has he got a photo on the wall of him? I don't know. We could send him one for Christmas. Yeah. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui va ressortir de son procès. À toi de jouer. Condamner quelqu'un au bout de 40 ans, de toute façon. Je ne peux pas vous dire, j'ai pas bien d'opinion là-dessus. Parce que, en principe, dans les crimes, il y a prescription au bout de 20 ans, je crois. Alors, je trouve que 40 ans, c'était beaucoup. Puis... La Barbie, elle a fait parler beaucoup les Lyonnais. Quand on l'a ramené en France, et puis, comme toute chose, ne voyant rien venir, les gens se sont lancés. Je suis pas le gars qui... Je peux pas vous expliquer, je suis pas le gars pour la vengeance. Et puis en plus, ma famille a jamais été vraiment touchée par disons, les déportations ou toutes ces choses-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Il est anormal que... Quelqu'un qui a très certainement commis les atrocités qu'il a commises ne soit pas jugé. J'ai eu 15 membres de ma famille déportés, dont une seule est rentrée. Sur ces 15 membres, il y avait mes parents et ma grand-mère, qui étaient âgés de 82 ans, et qui pouvaient certainement pas faire du mal au régime nazi, à son âge. J'étais jeune, parce que moi j'ai travaillé aussi, avant de partir au maquis, j'étais chasseur à l'hôtel Terminus à Pirache. Ah bah, en effet, oui. Et il y avait la Gestapo, oui, qui était là-bas, la commandanture. Alors donc, je voyais des généraux, toutes sortes de trucs. Et puis, mes Barbie, je sais pas, j'ai jamais entendu parler. J'étais jeune, oui, je devais avoir une quinzaine d'années, par là. Vous aviez un uniforme, non? Ouais. Ah oui, ouais, comme les groupes. Les chasseurs, oui. Les chasseurs. Mmh. Ouais. Les Allemands, ils étaient pour moi. Ah oui? Ils étaient généreux? Assez. Il y avait même les Italiens, il y avait les commissions italiennes aussi. Mais quand les gens avaient des... C'est-à-dire qu'ils étaient généreux et puis on les filoutait un peu. Jusque-là, ils avaient essayé de se donner une image de marque de gens qui étaient des civilisés. Et en 44, on s'est aperçu qu'en fait, civilisés, ils avaient agi comme des barbares. Ah ben les petits juifs là? Oui. Ah ben oui. Très bien. Vous en rappelez bien? Barbie was really a brutal man. Very jovial. C'était un sadique. Quelqu'un qui réussissait bien et qui était implacable. Il faisait peur. He was sure that he was the greatest intelligence officer. I never got the impression that he's really guilty of atrocities. Je me souviens de ce type qui était plutôt calme et qui se mettait à hurler d'un seul coup. Mon ami, my dear, my dear, my dear.
request for delivery of a high school diploma to Klaus Barbie, Staatliches Friedrich Wilhelm Gymnasium in Trier. I request permission to take my final examinations this coming Easter, 1934. I believe I can point with some pride to my Latin studies and ask, therefore, to be tested in that particular discipline. Please take note also of my religious convictions. Like my mother, I am a true child of the Eiffel, a stern landscape whose volcanic origin can be seen reflected in the serious character of all those who have grown up in it. My father was a teacher, my mother was a teacher. There could be little doubt about my own plans for higher education. Wenn Bub jetzt nach Udler käme, würde ich ihn aufnehmen, zu jeder Zeit soll ich. Ich kann Bub überhaupt nichts Schlechtes nachsagen. Bub, Sie meinen Klaus? Klaus. Ja. Entschuldigung. Hieß er so? War das sein? Wir sagen immer Bub so. So, Bub, sagen ja. Sie zu ihm. Das war sein Name ja. Als Junge. Ich sagte, dem würde ich nie das Haus verbieten. Und er war viel, wenn der in unserem Haus war. Da sagt meine Mutter, Bub, setz dich dahin, da isst du wieder mit. Meine Mutter war noch stolz drauf, wenn er bei uns blieb. Warum stolz? Weil er so vom Lehrer war? Ja, immer, der Junge, der war nicht großartig, nix. Hat immer, in jedem Bauernhaus hat er, das war dem egal. Verstehe mich schon. Der Lehrer war sehr gut, wenn er nüchtern war. Wenn er nüchtern war, war er ein tüchtiger Lehrer. Ja. Aber wenn er besoffen war. Was war dann? Dann war er oft nicht Herr über sich. Da hat er einfach den Meterstab geholt und hat reingeschlagen. Egal wer wohin. Nicht? Seine Mutter konnte man sagen, das war eine Mutter Gottes gegen ihn. Nicht? Die Frau, die hat keine Menschen, hat bloß gebetet und gemacht nicht? Und war ein tüchtiges Bauermädel aus Mähren. Ja. Der Klaus hat noch einen Bruder, der auf diesem Bild ist. Hier. Wer ist das? Der. Der, ah ja. Hier, der war nicht ganz normal. Was heißt, war nicht ganz normal? Ach, der war ein bisschen beschuckert. Er war im Kopf nicht ganz dabei, nicht mit dem Gedächtnis. Man hatte gelacht und verstehe mich. Also schwachsinnig. Ja, ja. Es war best, dass der gestorben ist. Wenn er die Kinder alle ins KZ geschafft hat, also da kann, das verzeih ich ihm nicht. Aber sonst war, was ich gesagt habe, bleibe ich dabei. Solange er in Udler war, war ein anständiger Junge. Da ist Barbie. Da in der Ecke? Ja. Man wundert sich, was aus diesem Jungen geworden ist, den ich gekannt habe, als einen wirklich liebenswürdigen Kameraden. Ja. Auch nicht verschlossen? Irgendwie. Nein, um Gottes Willen. Barbie war einer von denen, sagen wir mal, in jeder Klasse gibt es Führer und er war eine Persönlichkeit und eine führende Persönlichkeit. Ja. Witzig, er war in allen Fächern gut. Ich glaube, er hat das Abitur auch mit gut bestanden. Ein Streber? Nein, eben das war er nicht. I don't think a policeman who hurts people so much as he generally did is a good policeman. He was more of a brute than a sadist. Barbie was not the type that needed to engage in torture. Having the delegate of General de Gaulle in their hands and letting Barbier kill him was too stupid for words. He was skillful, a professional type, and professionals don't engage in that kind of thing. Barbier est arrivé presque aussitôt, et son salut de bienvenue, ça a été un coup de schlag sur la tête. Sa réputation de tortionnaire, je l'ai connue par Raymond, quand Raymond m'a raconté par où il était passé.
Il avait l'air d'un petit bonhomme, comme ça. J'ai une marque ici au front. Il m'avait ouvert le front à un coup de poing. Et puis après, son plaisir, c'était de me taper la tête dans le coin de son bureau, vous savez. Juste quand la croûte se reformait, il tapait. Ça, c'était une appréhension. Il aimait faire souffrir. Je ne sais pas s'il se souciait tellement des questions qu'il posait. Mais ce qui m'a le plus frappé dans cette affaire, enfin, ce qui m'a frappé, c'est le coup, naturellement. Mais ce qui m'a étonné, c'est l'espèce de plaisir qu'il a à taper. Ich weiß auch nicht, welche Eigenschaften nachher hatte. Es kann ja sein, dass Eigenschaften geschlummert haben, die dann in der Position, in der war, herauskamen. Haben Sie gehört, dass Klaus Barbie in der Schule war? Das kann nicht sein. Das ist ein Gerücht, würde ich sagen. Ne? Ein Gerücht? Ja. Das halte ich wirklich für ein Gerücht. Vater, meinen Sie das auch, dass das ein Gerücht sei? Ich wollte nur mal ganz jetzt fragen. Ich frage jetzt, wir sind also ein bisschen verunsichert, weil Sie hier mit Film, weil Sie hier um Privatgelände Aufnahmen machen. Deswegen wollte ich nur ein bisschen klären. Wir wissen nicht, wer Sie sind. Ich mache einen Film über Klaus Barbie. Ja. Und Sie wissen doch sicher, dass er hier zur Schule ging. Nein, weiß ich zum Beispiel nicht. Dass er war der am Friedrich-Wilhelm-Gymnasium? Ja, der war am Friedrich-Wilhelm. Habe ich wirklich keine Ahnung. Das Erste, was ich höre, das ist mir wirklich neu. Ich sollte Priester werden. Ja. Auch in der Zeit, als ich Abitur machte. Ja. Und aus tiefer liegenden Gründen bin ich es dann nicht geworden, katholischer Priester. Mhm. Da bin ich in die Wehrmacht eingetreten. Mhm. Er gehörte ja auch der katholischen Jugend an. Ja, und ich glaube, er war streng katholisch. Vorher im Konvikt, glaube ich. Im Konvikt, ja. Er war im Konvikt und sollte, und die im Konvikt sind, die sollen Priester werden. Richtig, die sind dafür ja vorgesehen. Und dann wohnte er in Trier bei seiner Mutter auf dem Viehmarkt. Ich war einmal bei ihm zu Hause, da hat seine Mutter, zum Kaffee trinken nachmittags war ich mal bei ihm. Ja, ja. Da habe ich sogar bei ihm Aufgaben gemacht. Ja. Aber da war er mehr der Gebende in Mathematik. Er war besser. Ja, er war besser. The year 1933 brought great and joyous upheaval to our fatherland, but also tragedy to my own family. My only and beloved brother died in June. A few months later, I lost my father. Our great national revolution has drawn me, as it has every true young German, into its spell. And so today, I am privileged to serve as a small but active member of our Führer's following. Ich wollte, ich wär ein Huhn, ich hätte mich viel zu tun. Ich legte täglich nur ein Ei und sonntags auch mal zwei. Gott der Herr segne unsere Kirche, er segne unser heißgeliebtes deutsches Vaterland. Wir haben ein deutsches Theater, einen deutschen Film, eine deutsche Presse, ein deutsches Schrifttum, eine deutsche bildende Kunst, eine deutsche Musik und einen deutschen Rundfunk. Der früher oft gegen uns vorgebrachte Einwand, es gäbe keine Möglichkeit, die Juden aus dem Kunst- und Kulturleben zu beseitigen, weil deren zu viele seien und wir die leeren Plätze nicht neu besetzen könnten, ist glänzend widerlegt worden. Die Gefahr in diesem Beruf, nenne ich es, Gestapo, zum Kriminellen zu werden, die ist doch sehr groß. Ich würde sagen, ja. Nicht? Ja. Und ich weiß nicht, ob er sich das so vorgestellt hat an dem Tag, als er zum ersten Mal die SS-Uniform angezogen hat. Das ist am bezeichnendsten für den, für die Persönlichkeit aus Barbier, dass er respektiert wurde. Wir hatten vorher einen, das war der Frosch. Den konnte keiner leiden. Der hatte so Klubschaugen und der hatte auch einen fiesen Charakter. Ja. Der hat Prügel bekommen, wenn er mit nationalsozialistischen Parolen kam. Aber wirklich. Ja. Und jetzt kam Klaus Barbier. Da war der Bann, möchte ich sagen, gebrochen.
Und dann kamen die anderen hinzu. Ja, ja, ja. Pendant cette période qui allait de 40 à 45, on savait qu'il se passait des choses. On savait, mais à part 1944, où vraiment ça commençait à vraiment se découvrir, puisqu'il commençait de plus en plus aux abois et donc il prenait beaucoup moins de précautions. Mais pendant les années 41, 42, 43, on voyait très peu de choses malgré tout dans les rues. Ich wollte schwer ein Buch, ich hätte nicht viel zu tun. Ich legte morgens nur ein Ei und Samstag wär ich frei. Ich brauchte nie mehr ins Büro. Ich wäre dämlich, aber froh, wenn Mensch widerspricht. C'était presque par hasard si on voyait des arrestations. Mais on savait que c'était déjà la police allemande qui était là-bas. Ah oui, bien sûr. La police secrète allemande. Oui. Barbie m'apparaît pour la première fois, je crois, je ne suis pas sûr, au mois de mars 43. À ce moment-là, tous les gens arrêtés par la police française étaient présentés à la Gestapo à l'hôtel Terminus. Il avait une réputation implacable, oui, d'être implacable, d'être quelqu'un qui réussissait bien, qui était très fort, qui avait à sa disposition des forces énormes, qui pouvait entrer partout et qui était implacable. Il faisait peur déjà. Dans notre cellule où nous étions quatre, deux d'entre nous ont été amenés à l'hôtel Terminus pour un interrogatoire. Ils étaient trois, ils nous ont posé des questions sur la base du dossier qu'ils avaient reçu de la police française. J'ai reçu une gifle et on nous a ramenés. La police française nous a repris, nous a remis en prison, d'où j'ai été d'ailleurs libéré quelques semaines après. Et des gens arrêtés, des gens avec des menottes comme ça, on en voyait quand même. Oh, ça arrivait. Je n'en ai pas eu beaucoup, mais enfin. Ils allaient vite, hein. Ils traînaient pas dans l'hôtel. Ils vous ont relâché sans savoir que vous étiez résistant. Est-ce qu'ils vous ont aussi relâché sans savoir que vous étiez juif? Oui. Barbie et la Gestapo n'ont jamais su que j'étais juif. Même dans les épisodes suivants. Ils n'ont jamais su, ils n'ont jamais connu ma véritable identité. Vous êtes circoncis? Je suis circoncis. Pourtant, vous avez été torturé. J'ai été battu. Très nu, oui. J'ai été battu à coups de matraque, à coups de gourdin, à coups de pied de chaise, de bâton. Je me suis évanoui un nombre respectable de fois pendant les interrogatoires de Monsieur Barbie. Oui. Mais on ne m'a jamais déshabillé, c'est tout. Et la première arrestation, ça s'est terminé comment? Le juge avait accepté l'alibi marché noir. J'ai demandé une liberté provisoire. Mais l'avocat m'a dit jamais le procureur n'acceptera, parce que le procureur a bien deviné qu'il ne s'agisse pas de comparse et que c'est une affaire de résistance, il n'acceptera pas. Alors il se trouvait que je connaissais un message de la BBC, un de ces messages qui préparait des parachutages, et les messages de la BBC passaient à midi. Je suis arrivé à la porte du procureur, j'ai sonné, et je lui ai dit, je veux vous parler seul. Et voilà, je représente ici l'autorité du général de Gaulle. Vous avez, parmi les gens dont on a demandé la liberté provisoire, un monsieur Valette, vous l'avez refusé. Vous devez l'accorder avant demain matin, parce qu'autrement, vous ne verrez pas le soleil se lever. Et je vais authentifier ma demande. Ce message, vous continuerez de gravir les cimes. Vous mettrez la BBC à 7h du soir et à 9h. Et vous l'entendrez, donc ça sera signé. Évidemment, c'était un coup de poker, parce que très bien, aussi bien, les avions britanniques auraient pu ne pas partir. Il pouvait y avoir du mauvais temps, et donc le message ne serait pas venu. Eh bien, il est passé. Il est passé le lendemain matin, Rémy était sur le trottoir, et le procureur a pris peur. Quand on était parachuté, il y avait 2 ans que j'étais pas revenu en France, et je dois vous dire qu'à chaque pas que je faisais dans la ville, je me demandais pourquoi tous les gens ne me dénonçaient pas et pourquoi les agents ne venaient pas m'arrêter, parce que j'avais l'impression, c'était tellement évident, que j'arrivais de Londres et d'Angleterre. Les agents de Londres qui arrivaient, on les présentait à Moulin. Je l'ai connu à Lyon le 1er août 1942. Vous aviez quel âge? J'avais 22 ans. C'était une journée d'une chaleur absolument écrasante, et d'autant plus écrasante que j'avais rendez-vous avec lui à 2h de l'après-midi. La dame qui nous a ouvert
nous a fait rentrer dans le salon. C'était une très grande pièce. Il y avait un homme qui était assis sur un fauteuil au milieu de la pièce. Et il avait rapproché une chaise, et sur la chaise, il y avait des papiers qui étaient en train de regarder. Et il nous a regardés, il s'est levé, il est venu vers nous très souriant, et il m'a demandé, est-ce que vous avez fait mon voyage? J'ai dit oui. Et il m'a dit, est-ce que vous êtes libre à dîner? J'ai dit oui. Et la première parole, dont je me souviens de Jean Moulin, il y avait une banquette, n'est-ce pas, qui faisait face à la porte. Et je m'étais assis en face de lui. Alors on nous a apporté le menu. Et je ne sais pas pourquoi, il m'a dit, mais qu'est-ce que vous voulez boire? Et j'ai dit de l'eau Perrier. Aujourd'hui, je serais incapable de dire pourquoi de l'eau Perrier, peut-être parce que je n'en avais pas bu depuis 4 ans, enfin, deux ans. Il m'a dit, ah non, jamais d'eau gazeuse pendant les repas, ça fait mal à l'estomac. Évidemment, quand je vois lycée Jean Moulin ou place Jean Moulin, je n'établis aucun rapport, aucune relation avec l'être que j'ai connu, parce que pour moi, 40 ans après, il reste mon patron. Vous étiez ami. Ah, mais je l'aimais, je l'admirais, mais je ne me permettrai pas, même aujourd'hui, de dire que c'était mon ami. Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège. Avec ceux qui sont morts dans les caves sans avoir parlé comme toi. Et même ce qui est peut-être plus atroce en ayant parlé. Je l'ai vu le 15 juin, c'est-à-dire 6 jours avant son arrestation. Je me souviens encore, ça c'était au Cocardi, un tout petit bistrot de Lyon, et près de la place Bellecour. Et là, il était très fatigué. Et à un moment, je le voyais si fatigué, je lui ai dit, mais écoutez, il faut absolument que vous preniez des vacances. Et il s'est retourné vers moi, un peu brusquement, mais il m'a dit, mais comment pouvez-vous parler de vacances au moment où il y a tout à faire? Et puis d'abord, peut-être que dans 15 jours, on sera arrêtés, on sera tous arrêtés. Je suis le témoin avec Aubrac, mon ami Aubrac, Raymond Aubrac, que je connaissais bien avant les événements de Calvire, le seul témoin, encore vivant. Bon. De l'arrestation. Ils sont tous morts. Mon vieil ami André Lassagne, que vous voyez là, que je savais très engagé dans la résistance, elle m'avait demandé depuis de nombreux mois, éventuellement, est-ce que dans ta maison, on pourrait avoir des réunions exceptionnelles, mais d'une importance assez grande. D'accord. J'étais médecin de quartier, je recevais le jour de cabinet un certain nombre de personnes, et des allées et venues auraient passé inaperçues. J'ai dit à ma vieille gouvernante, Marguerite, qu'il y a M. Lassagne qui, demain, lundi, amènera des amis, vous les ferez monter dans ma chambre au-dessus, au premier étage, et puis vous les laisserez tranquilles. J'étais un familier de la maison, alors il repart. Le dimanche se passe, dans la nuit du dimanche au lundi, mon ami Maurice David, que vous voyez là, qui est mort, il a couché ici, je ne lui ai même pas dit qu'il y avait une réunion le lendemain, ici. On ne peut pas m'accuser d'avoir bavardé. Hein. Je crois qu'il y a des fautes, qu'il y a eu des fautes de commises, mais je crois que les Allemands étaient dans les circuits et pouvaient avoir connaissance de cette réunion. Nous sommes arrivés en retard avec Jean Moulin au rendez-vous que Jean Moulin avait organisé et fixé. Et nous étions dans la salle d'attente du médecin avec des malades qui attendaient. Le docteur Dugoujon donnait sa consultation. Et quelques minutes après notre arrivée, la maison a été investie par un commando de la Gestapo. Il y avait un gars là, avec sa mitraillette, qui surveillait les opérations. On nous prend, on nous met les menottes. Et une mitraillette, on est obligé d'obtempérer, n'est-ce pas? Vous savez ce que c'est, la force. Alors je lui tends les mains, il me donne un coup de pied dans le bas-ventre, je vous demande pardon, madame. Je n'ai rien senti. Rien, rien, rien. Bon.
On ne sent rien à certains moments de la vie. On ne sent pas la douleur. Est-ce que vous savez que c'est Barbie en personne qui est là? Non. Non, non, ils ne se présentent pas. Ils arrivent avec leur mitraillette. Ils m'emmènent là-bas dans le petit salon. Je vois qu'à tout ça, personne du quartier. Lui, il me dit, oh, mon pauvre docteur, oh là, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, et le premier à ma gauche, à l'entrée, me dit, je m'appelle Jacques Martel. C'était Jean Moulin. Je ne connaissais pas. Au bout, là-bas, il y avait un garçon que je connaissais bien, Raymond Aubrac. Il me semble qu'il y avait des hommes en uniforme autour de la maison. Barbie lui-même, je ne peux pas vous dire s'il était ou s'il n'était pas en uniforme. Vous y étiez, vous, à la réunion de Caluire? Oui, j'y étais. Selon moi, Barbie, vous aviez un revolver? Le seul à avoir un revolver qui était fourni par Klaus Barbie. J'ai toujours été armé, si vous ne le savez pas. J'ai toujours été armé. Car j'ai toujours pensé que je faisais la guerre. On m'en a fait reproche dès avant la réunion de Caluire. Bon, bref, il m'a mis les mains dans le dos. Je vous dis ça à propos de Hardy, qui n'a eu après qu'un cabriolet, vous le savez. Bon. Et cette histoire de menottes? L'histoire de menottes, il y a une déposition où Allemand, où Stengrip dit qu'il n'avait pas assez de menottes. Bon, alors donc, dans les mystères qui subsistent ou qui ne subsistent pas, vous êtes de ceux qui sont absolument convaincus de la culpabilité d'Hardy. Oui, absolument. Madame Hardy, je voudrais qu'on revienne un peu en détail sur cette affaire de Caluire. Ce qui est singulier, c'est que ce soit moi qui sois accusé, étant donné qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient suivies. À Paris, dans la salle de la cour d'assises du palais de justice, un tribunal militaire s'est réuni afin de juger René Hardy pour la deuxième fois. Il a été acquitté deux fois sur deux mensonges. La première fois, il a nié sa première arrestation, son arrestation et son passage à la Gestapo. Et puis, il a donc été acquitté là-dessus. La deuxième fois, étant obligé de reconnaître son arrestation et son passage dans la Gestapo, il a été acquitté sur un deuxième mensonge, qui est un faux témoignage de son lieutenant Bossé, disant qu'il était au restaurant avec lui, alors que Hardy reconnaît maintenant qu'en effet, il était avec Barbie. Vous avez été interrogé combien de temps par Barbie? J'ai été interrogé 6 heures, j'avais les papiers parfaitement en règle, les miens. Si Hardy n'avait pas été retourné et avait roulé Barbie lors de sa première arrestation, comment peut-on imaginer que ce Barbie si brutal, si implacable, si sûr de sa force, retrouvant Hardy au premier étage de la villa du docteur Dugoujon, avec des gens dont il sait que ce sont les dirigeants de la résistance et de l'armée secrète, et que parmi eux, il y a Jean Moulin. Comment Barbie n'aurait pas foncé sur René Hardy pour dire, ben dis donc, toi, mon salaud, tu m'as bien roulé l'autre fois. Mais René Hardy, dans tout ça... Ah, mais je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu, je l'ai vu à ces deux procès. J'ai témoigné à charge contre lui, d'après les recoupements, les renseignements que j'avais pu me procurer. Je ne l'avais jamais vu. Le résultat de ça, c'était deux procès et ce qui se passe aujourd'hui. J'ai fait 6 années de cellule. J'ai essayé de reconstruire ma vie. Honnêtement, ruiné, sorti de prison tuberculeuse, j'ai recommencé. Et je suis sorti de prison avec 150 francs dans ma poche. Alors je trouve qu'aujourd'hui, la mesure est comble. S'il n'y a pas eu un traître au sens auquel vous l'entendez, je pense. Je pense qu'il y a eu des indiscrétions, des bavardages, des bavassages. Il s'est échappé. Et Hardy s'est échappé. Il s'est échappé sur la place, là. Bon, tout simplement au moment de monter dans la voiture. Là, quand la portière, le gars était déséquilibré, il a lâché un bout du cabriolet, moi je suis parti avec. J'ai entendu des coups de feu à un moment où je me trouvais les menottes dans le dos, derrière, dans le petit salon. Des coups de feu dont je ne peux pas préciser ni le nombre, ni la durée, 3 ou 4 coups de feu. Comment est-ce que vous vous êtes enfui? Quel trajet avez-vous fait? Vous me tirez dessus. Je suis descendu vers la Saône ou le Rhône, je ne sais plus quel est. Ah là, oui. Je suis passé dans les jardins, je vais rester. Je ne suis pas absolument sûr qu'il ait conduit les Allemands jusqu'à la maison en question. Je pense qu'il est possible que Hardy ait cherché à finasser... Les Aubrac n'ont pas de doute. Oui, les Aubrac n'ont pas de doute. Qu'il ait cherché à finasser avec Barbie
et que Barbie l'ait battu à ce jeu. C'est possible. Enfin, peu importe. Hardy s'échappe. En fait, à mon avis personnel, les Allemands le laissent partir. Bon. Ils emmènent les gens qu'ils ont arrêtés. Et lequel est Max? Ils ne savent pas. C'est sûr qu'à la base de toute cette affaire, il y a eu des fuites imbéciles, des bavardages, des gars qui, au coin d'une table de bistrot, racontaient que c'était le grand chef. Ils allaient aller à une grande réunion, peut-être. Et comme là, c'était pourri d'allemand à cette époque, il suffit qu'il y ait eu une oreille qui traîne dans un coin, et puis c'est comme ça que les catastrophes commencent. Mon avis personnel, c'est que Aubry, qui n'a pas résisté à la torture de Barbie, a commencé à parler. Et il a parlé 48 heures après. Et c'est probablement Aubry qui a identifié Max. C'était donc vers le 27 ou 28 juin, 8 jours après, est rentré un homme complètement démoli, Thomas alias Aubry, Aubry alias Thomas, dans la cellule 431 à Fresnes. Oui. Et il nous raconte tout de gauche son aventure. Alors je connais l'histoire de Caluire par lui. Voilà, dans ma cellule, en 9 mois, j'ai vu défiler une quarantaine de personnes. Pourquoi tu es là? Moi, j'ai rien fait. Et ce type, qui est tout au goût, qui représente le troisième personnage important de la résistance, qui me raconte à moi, qui ne savait pas si j'étais un mouton ou pas un mouton, qui me raconte tout. Écoutez, il y a une méfiance quand même qui vient. Il y a une chose que je sais, c'est que le Thomas Aubry, il avait l'air vraiment d'avoir l'angoisse du coupable, puisqu'il me l'a raconté à moi, c'était 8 jours après. Et dans la nuit, il se levait et embrassait une médaille. Il avait une médaille avec une vierge. Il m'a fait ce spectacle pendant plusieurs nuits. Mais il y avait une chose. C'est que quand il arrivait d'interrogatoire, quand il revenait d'interrogatoire, moi, j'étais interrogé pendant 9 mois, j'ai passé 5 fois la baignoire, on m'a jamais donné du poulet, des vivres, des couvertures s'il avait froid. Et lui, quand il revenait, il se baffrait ses petits colis. Alors un jour, excédé, j'ai dit, écoute, n'embrasse pas ta petite médaille tous les jours, si t'es vraiment chrétien, nous on a faim, et il faut pas dénoncer ces petits copains. Et alors permettez-moi d'insister sur sa libération, car vous savez, quand on est un grand patron, je me pose encore la question, il était grand patron. Je n'ai jamais vu un grand patron qui a été libéré, moi, 3 semaines, 1 mois, 2 mois après son arrestation. Il y a eu très peu de cas de trahison dans la résistance. Très peu. Mais encore une fois, comme dans toutes les entreprises humaines, ça existe aussi. On voulait empêcher un peu la prise du pouvoir sur l'armée secrète par les communistes. Il y a d'abord une culpabilité certaine, c'est celle de devoir cacher tout ce qui s'était passé quand il a été arrêté. Ça, c'est la culpabilité fondamentale. Parce que ça aurait pu avoir des résultats encore plus vaste que ceux déjà vastes. Caluire, c'est déjà pas mal. Oui, mais Caluire a laissé toute la direction de la résistance intacte. Personne, en dehors de ce crypto-communiste de Jean Moulin, n'a été, du fait de mon arrestation, n'en a souffert. C'est un aveu? Pour lui, non. Il ne dit pas j'ai donné Jean Moulin. Il n'a jamais dit qu'il avait donné Jean Moulin. Que j'en pense ce que j'en veux, d'accord. Mais j'ai pas le droit de dire, tu m'as dit. Dans le film de Bâle, René Hardy, ton ancien compagnon, il semble quand même, dis-moi si je me trompe, avouer sa propre culpabilité. Oui. 40 ans plus tard, nous découvrons que René Hardy a servi de bouc émissaire. Premier procès, 1947. Bénouville témoigne. J'étais pas au courant qu'il allait à Caluire. Deuxième procès, le 4 mai. 1950, je reconnais que René Hardy a commis une très grave faute d'imprudence en se rendant à Caluire. 1956, Henri Aubry dépose aux archives nationales. Henri Aubry dit, le général Benoît de Bénouville m'a donné l'ordre d'emmener Hardy à Caluire. 15 novembre 1983, dans la presse, Bénouville dit, oui, effectivement, c'est dans le Matin de Paris et dans le Quotidien de Paris. Effectivement, j'ai donné l'ordre à Hardy d'aller à Caluire.
C'est-à-dire qu'il lui a fallu 43 ans pour reconnaître ce qu'il avait nié. Je connais tout de même Bénouville comme ma poche. Et tous les camarades, y compris les communistes qui les connaissent, te diront que jamais il n'était capable de faire quoi que ce soit de ce genre. Mais il y a beaucoup plus grave pour Bénouville. J'ai retrouvé aux archives nationales une lettre datée du 17 juin 43, 4 jours avant Caluire, où il écrit au général Davet et à Monod, en Suisse, Didot, c'est-à-dire Hardy, a été arrêté. Bon, en toute lettre, il l'écrit. Alors là, le général Bénouville est parjure. Bénouville était monarchiste. Il avait probablement l'idée d'un régime différent après la guerre. On était divisé pour d'autres choses, mais pas sur ce qu'on avait à faire. On verrait après. Ils sont comme ça. Ils ne peuvent pas se déjuger les uns les autres. C'est plus qu'une famille, c'est une famille qu'on a choisie, c'est un clan, c'est une raison d'être qu'on a choisie. Repousser l'envahisseur. Repousser l'envahisseur, c'est plus qu'on a. Mais ça a fait des liens, ça a fait des liens éternels. Et de l'extrême gauche à l'extrême droite, on se soutient comme ça pour cacher la vérité. Oh, toute la résistance, tout l'état-major était noyauté. Tous les secrétaires de Moulin étaient tous plus ou moins cocos. J'ai rencontré René Hardy bien après. J'avais lu son histoire. J'ai rencontré sur le plateau de la Mère Victoire. Parce que c'était, si je me trompe, René Hardy qui avait écrit le livre. Et le scénario. Oui. C'était il travaillait avec Nicolas Rey. Oui, c'est ça. Et quand je l'ai vu, j'ai eu un sentiment de répugnance. Répugnance, c'est peut-être pas le mot. Sentiment de ne pas en tout cas lui parler, de ne pas lui serrer la main, de ne pas être près de lui. Je ne sais pas. À tort ou à raison, parce que je ne peux pas en même temps dire que je suis certain du tout qu'il est coupable, j'en ai aucune idée. Mais j'ai eu un sentiment d'éloignement. Peut-être que j'ai tort, peut-être que j'ai commis un péché. De toute façon, il n'a pas donné Jean Moulin. Il a été une chèvre d'appât, il était un instrument du mécanisme pour sacrifier Jean Moulin, pour Jean Moulin. Et pour permettre à la Gestapo d'aller à Caluire. Évident. Ça, on peut aller jusque-là. Et on y va. Jouer le double jeu. Enfin, Hardy y va, en tout cas. Quand je parle aux Aubrac, ou quand je parle même aux gens de combat, Mabourdère, des gens comme ça, j'ai l'impression que, à divers points de leur carrière, ils ont dû être placés devant cette question implicite. Est-ce qu'il a parlé, celui-là? Est-ce que vous pouvez me donner votre réaction? Écoutez, monsieur, je suis très embarrassé de vous répondre, car moi, je partage ce sentiment depuis 30 ans, 40 ans, je ne sais plus combien. Ce que vous dites, monsieur, moi, j'ai dit à mon époux, j'ai dit partout, moi, je me la pose aussi, cette question, et je réponds. Premièrement, on ne sait pas tout. On ne sait pas tout. Est-ce qu'il n'y a pas une énorme arrogance à vouloir se faire même une opinion et juger de la fragilité de gens qui ont été soumis à la torture ou qui ont subi la torture ou qui ont été menacés. Mais pourquoi est-ce que 40 ans après, les gens ont-ils encore peur que l'opinion publique se pose cette question? Parce que c'est une question indécente. Non, elle n'est pas indécente, monsieur, on me la pose bien, moi. Quand on parle des camps de concentration et des fours crématoires, on me regarde avec suspicion, disant, vous êtes revenu, vous? Tous les survivants qui ont eu uniquement la chance de ne pas être arrêtés et de survivre, eh bien, aiment ses camarades et les estiment peut-être plus que ceux qui n'ont pas été arrêtés parce que personne ne peut dire ce que l'on aurait fait sous la torture. Ça faisait tellement mal que la victime, on tombait dans les pommes, libéralement, on s'épanouissait. Et là, on a été réveillé par deux manières. Des fois, c'était des coups de pied, et souvent par des claques, bien sûr, que tout médecin connaît, mais la voix devenait gentille, agréable. Il y avait un sandwich qui arrivait, un verre de rhum, des cigarettes, et d'un ton très gentil, il disait, tu vois, tu m'as forcé à te donner des coups, et puis tu as parlé. Pourquoi t'as pas parlé tout de suite? Mais quand vous parlez de trahison, donc ce n'est pas assez. Ah non, pas du tout, ce n'est pas du tout des trahisons. Il y a un phénomène physique qui se passe, on est en plein cirage, la liaison entre le cerveau et tout n'est pas toujours très claire, donc il n'y a pas de règle générale.
ça me laisse un souvenir d'une période d'angoisse, comme si j'avais été pris à la gorge pendant des jours et des nuits, constamment. Il vous disait pas, t'as parlé d'un tel et d'un tel, donc on n'avait pas de point de repère, on n'était pas de point de repère, on passait une nuit, et puis c'était pas forcément le lendemain, c'était deux mois, trois mois après. Alors, vous voyez, j'ai parlé. Il est possible que si j'avais eu le moyen de me tuer, je l'aurais fait. J'y ai pas pensé. Je ne crois pas y avoir pensé, j'en suis pas sûr. During the couple of hours where I was left alone with the Gestapo when I was first arrested, I had seen a large chart which had been abandoned, a large piece of paper about a couple of yards long by a yard wide, with everything they knew was on it. And so, God, I'd looked at that and tried to learn it by heart and see exactly what they knew. Yes, that was what they knew, and so I see they know that, they don't know that, which means that if I appear to say a thing which they already know, okay, no harm. Si vous commencez à supposer qu'ils savent ceci et que ça n'a pas d'inconvénient de leur dire, vous ne savez plus où vous allez. Si vous inventez une histoire de toute pièce, vous ne savez pas s'ils vont la vérifier ou pas la vérifier. Moi, personnellement, j'ai pensé, et je crois encore, que sauf quelqu'un qui aurait une énorme imagination, comme un grand cinéaste ou un grand romancier, il vaut mieux ne rien dire du tout. Mais alors, essayez de ne rien dire du tout. Mais alors, c'est 9 chances sur 10, surtout vis-à-vis d'un Barbie, que c'est la mort. Alors c'est la mort ou alors on se lasse d'interroger un bonhomme dont on pense qu'il ne sait rien. Moi j'étais sur 6 fois, ça a été 3 fois tranquille et 3 fois pas tranquille. C'était le soir, hop, allez, tu rentres à la cellule. La nuit, c'est ce qui a duré 2 mois après. Sur les villes, ce que j'ai parlé, j'ai pas parlé. Est-ce que vous pensez que l'affaire Jean Moulin a occulté d'autres tortures, l'Holocauste, déportation, les camps de la mort? C'est mon opinion. Je pense que Barbie doit sa gloire, entre guillemets, à Jean Moulin. Et que, pour le reste, c'est un bourreau très ordinaire. C'est-à-dire que ce sont... Atroce, mais ordinaire. Oh, atroce et monstrueux, mais tout à fait ordinaire. Il a fait ce que des milliers de nazis ont fait, ou même auraient désiré faire. Darf ich Sie fragen, worin bestand die reichsfeindliche Betätigung eines zweijährigen Mädchens? Das kleine Mädchen, ich habe überhaupt nicht da hingeguckt. Es hat unterschrieben, wer da war. Und wenn das zweijährige Mädchen hätte getrennt von der, dann senden Sie das Bild rüber. Wie bitte? Das sind die Bilder. Fröhliche Weihnachten. Steingrit est un des adjoints de Barbie dans la lutte surtout contre les résistants. Et je crois que Steingrit a été également utilisé par les services américains et que lui n'a pas pris les précautions de Barbie et qu'il a été très, comment dire, amer d'être envoyé en France alors que Barbie, lui, était parti pour les Amériques. Nichts damit zu tun. Ich will nicht. Ich mag es haben, denn ich will nicht. Ich will nicht. Ja, Sie wissen noch gar nicht, weshalb ich komme. Ja, wieso filmt er denn, der Kalko? Ja, warum darf er denn nicht filmen? Das ist doch mein gutes Recht zu sagen, nein, ne? Ja, selbstverständlich. Aber darf ich nicht mit Ihnen reden, um was es geht? Sonderwetter, jetzt hören Sie endlich auf mit dem Ding. Mensch, gibt's ja hier nicht. Menschenrechte noch. Je sais qu'il a témoigné au sujet de Barbie et qu'il a mis en lumière aussi, comme tous les autres membres de la Gestapo, le rôle moteur joué par Barbie, qui était l'âme de la Gestapo de Lyon. Da drüben gesessen in einer Todeszelle, zum Todesurteil, oder was wollen Sie noch von mir? Ne? Also, ja, deshalb, ich wollte Sie gar nicht über diese Sachen befragen, ja. Sondern ich wollte Sie gar nicht darüber befragen. Ja, aufhören zu filmen, ne? Ich weiß es nicht. Il a été condamné, si je me souviens, à mort, et il a été gracié. Je crois qu'il est sorti au bout de 10 ans de prison. Il a dû sortir dans les années 1957 ou 56 de prison.
Barthelmousse était un des adjoints de Barbie au sein de la Gestapo de Lyon. Et Barthelmousse s'est occupé des questions juives. Or, à son procès, à Lyon, il était présent, il a eu 10 ans de prison, ce qui signifie absolument que les questions juives n'étaient pas considérées au niveau des crimes de guerre même. Frau Barthelmousse, ist Ihr Mann da? Und ich wollte Herrn Barthelmousse gerne sprechen. Ich weiß, aber mein Mann möchte da keine Äußerung machen. Herr Barthelmousse? Herr Barthelmousse? Herr Barthelmousse? Herrn Barthelmousse. Ja, aber der ist bestimmt nicht im Garten. Der ist nicht im Garten. Wissen Sie, wo er ist? Bitte verlassen Sie das Grundstück. Wie bitte? Es ist Ihr Eigentum und da haben Sie nichts drauf zu suchen. Wir suchen ja Herrn Barthelmousse, um ihn nochmal in ein Interview zu finden. Wenn Sie Herrn Barthelmousse filmen wollen, dann können Sie machen. Das geht mich nichts an. Ja. Aber nicht hier auf unserem Eigentum. Hat das irgendetwas mit dem, nein, mit dem vermutlichen Inhalt des Interviews zu tun? Nein, weiß ich überhaupt nichts davon. Es geht mich auch nichts an. Es interessiert Sie. Seine Vergangenheit interessiert. Nein, das interessiert mich nicht. Ja, ich habe kein Interesse daran. Ich habe kein Interesse daran. Das ist ja bei Ihnen nur Sensation, Flüchtigkeit. Ja, warum gehen Sie davon aus, dass das mal? So denke ich drüber, mehr kann ich Ihnen dazu nicht sagen. Aber ich finde, wenn man so alt ist, soll man die Leute mal in Ruhe lassen. Und nicht die in jede Ortschaft verfolgen, wo sie hinziehen. Ja. Wie meinen Sie das? Er wollte Bilder verkaufen. Ja, und was ist mit den Kindern, die nicht alt werden konnten? Ja, meinen Sie, dass das jetzt, wenn Sie jetzt den Mann das lebe, die letzten Jahre noch so schwer machen, ja. Meinst du, dass das den Kindern was hilft, jetzt im Moment? Also, Ihr Mann hat an Judenverhaftungen zum Beispiel nicht teilgenommen. Da kann ich jetzt seit Jahren nicht Nein sagen. Das ist ja eine Sache gewesen, die nicht allein in Lyon und die nicht, sagen wir mal, Barbie zu verantworten hätte. Es waren auch Franzosen selbst, die daran interessiert waren. Maison, c'est beaucoup de souvenirs. C'est le souvenir d'une enfance heureuse. C'est le souvenir des jeux de gosses, évidemment. C'est aussi le souvenir de parents merveilleux. Il y avait des fêtes, il y avait des jeux, il y avait des éclats de rire. Je me souviens d'une institutrice, j'avais des cheveux très très longs, j'ai eu l'occasion de le dire souvent, et qui avait décidé qu'étant juive, j'étais obligatoirement pleine de poux. À l'école, on a eu des instits qui étaient formidables et d'autres... Ouais. Oui. Je me souviens d'une toute petite institutrice qui nous faisait chanter l'hymne américain oui. Au moment où l'on remontait le drapeau avec la Francisque dessus. Ah oui. À la place du maréchal, nous voilà. Oh, say can you see? Oui, c'est une jeune institutrice qui a été fusillée, c'était une Savoyarde. Elle a été fusillée oui, oui. Par les Allemands. Oui, il y a des tas de choses qu'on ignore, cette petite institutrice. Petite, elle était vraiment très petite de taille, oui. Vous voyez. Oui, ben vous n'êtes pas grande non plus. Non, j'ai oublié de grandir à Auschwitz. J'ai eu mon certificat d'études la veille de mon arrestation, avec une mention très bien. Et le 6 juin 1944, je suis allée à la boulangerie, là, prendre mon pain et... À cette époque, on avait des tickets, et il fallait faire des queues impensables. Et je faisais la queue, et puis quelqu'un s'est retourné, il m'a reconnu, il m'a dit « Mais c'est bien, tu as eu une mention très bien, bon, tu vas pas faire la queue. Rentre tout de suite, passe la première. » Je suis passée la première, et je suis remontée chez moi. Peut-être que si j'avais fait la queue, j'aurais peut-être pas été arrêtée. C'est un bureau tout sombre. Il était peint à moitié, marron en bas et clair en haut. On nous a fait mettre chacun sur une face du mur. J'étais près de la fenêtre, ma mère et mon père. Et puis, un homme est sorti par la porte du fond. Un homme pas très grand. Tout ça, c'est relatif parce que moi, j'étais pas très grande, mais mon père faisait 1m96.
Alors pour moi, c'était un petit bonhomme à côté de papa. Quand il est arrivé, les SS se sont retirés sans fin. Bon, disons que c'est Barbie maintenant, mais à l'époque, je ne savais pas du tout qui il était. Et je ne l'ai pas trouvé méchant parce qu'il avait un chat dans les bras, il le caressait. Vous savez, quand on a 13 ans, on s'attache à des bricoles comme ça. Le chat était gris aussi, et lui-même était habillé en gris. Il est arrivé avec un sourire plutôt sympathique. Il s'est arrêté devant mon père, et il l'a regardé de haut en bas. Puis il est venu vers ma mère, il l'a regardé, il lui a dit qu'elle était jolie. Il s'est approché de moi, il m'avait trouvé jolie aussi, il l'avait dit en français. Puis il est retourné voir maman, et il lui a dit... Elle est jolie, votre petite fille, elle a de beaux yeux, c'est la seule que vous ayez. Ma mère a dit non, j'en ai deux autres, plus jeunes. Il lui a demandé où étaient les enfants, et là, très sincèrement, elle ne pouvait pas donner l'adresse, puisque c'était l'époque où Lyon était bombardé terriblement, pratiquement tout le temps, et les enfants des écoles sont partis à la campagne, on les avait emmenés chez des paysans. C'est d'ailleurs ce qui a sauvé mon frère et ma sœur, parce qu'il n'y avait pas longtemps qu'ils étaient partis, et nous n'avions pas leur adresse. Il est revenu vers moi, il m'a reposé la question. J'en savais pas plus que ma mère. Et alors là, avec une rapidité, mais c'était plus du tout ce monsieur gentil. Il a déposé son chat sur son bureau, il est revenu vers moi. Il a arraché ma résine, attrapé par les cheveux. Il a roulé les cheveux autour de sa main et l'a tiré brutalement. Mon père a fait un pas en avant et le SS qui était là lui a mis un revolver sur le ventre. Ce qui fait que mon père a repris sa place. Et Barbie, à ce moment-là, m'a reposé la question plusieurs fois. Et comme je ne répondais pas, il m'a frappé. Il m'a fait tomber par terre et il m'a retiré par les cheveux. Vous savez, d'un geste brusque comme ça. J'ai peut-être crié comme les enfants. Je ne me souviens pas, voyez. Je me souviens des coups. Je me souviens de la force des coups. Je me souviens de ce type qui était plutôt calme et qui se mettait à hurler d'un seul coup. Vous ne savez pas pourquoi. Il se mettait à hurler. Mais j'avais peur. Et là, pendant ces interrogatoires, vous ne compreniez pas ce qu'on voulait obtenir de vous. Si, on me demandait simplement l'adresse de mes frères, uniquement. On voulait les deux autres. Oui, les, il en fallait la deux. Famille, il en fallait deux de plus pour mourir, ouais. C'est tout. Vous êtes d'accord avec M. Le Pen ? Ce procès est un anachronisme. Bien sûr, il y a d'autres choses plus importantes que d'aller vouloir chercher la mort d'un homme qui, dans 6 mois, sera peut-être plus sur Terre. Alors, c'est un exemple que l'on veut donner. C'est pour faire cette recherche perpétuelle, 40 ans après, de tous les grands criminels de guerre. Regardez l'élection de monsieur. Voilà le résultat qu'on obtient avec monsieur Kurt Waldheim aujourd'hui. Voilà le résultat qu'on obtient. Vous voulez dire, voilà le résultat que le Congrès juif obtient. Oui, cette espèce de... On essaye, il y a une résurgence de l'antisémitisme, qu'aujourd'hui, on a d'autres choses à faire que se préoccuper de ces vieux problèmes qui, normalement, devraient être... Est-ce que je vous comprends bien ? Vous dites que c'est que si M. Waldheim triomphe parmi les électeurs autrichiens, c'est à cause de cette initiative malheureuse d'aller chercher les documents, de fouiller dans les documents. Oui. Je vous ai bien compris. Tout à fait. Et que si on ne l'avait pas fait, peut-être qu'il n'y aurait pas eu cette réaction nationaliste. Peut-être. Mais alors c'est la faute des Juifs. Peut-être interroger... Mais alors c'est la faute des Juifs. Peut-être interroger les Autrichiens là-dessus. Excusez-moi, Madame Lagrange, vous pouvez nous parler des circonstances de votre arrestation ? Vous savez, on parle souvent des Allemands, mais il y a aussi les Français. Nous avons été dénoncés par la fille de notre concierge. La belle-fille de notre concierge. Dénoncée en tant que quoi ? En tant que juif. Elle avait d'abord dénoncé son mari, son beau-frère, quelques mois avant. Mais on ne le savait pas. On savait qu'ils étaient arrêtés. Et le jour de notre arrestation, justement, elle était venue me voir l'après-midi pour me demander de lui prêter une écharpe. Et le soir à 5 heures, après que mon père soit rentré de son travail, elle est arrivée pour me rendre cette écharpe. Elle a pleuré en disant que son mari avait été torturé. En disant qu'elle sortait de mon Luc et qu'elle avait vu son mari avec les mains complètement écrasées. Oui. Elle me rapportait une écharpe que je lui avais prêtée. Et puis maman l'a gardée pour lui offrir une tasse de café. Oui. Et à ce moment-là, on a frappé à notre porte et le SS était là. Et il a demandé à Famille Kadouche. Et à ce moment-là, on a eu la surprise énorme de voir cette femme se lever, lui sauter au cou en lui disant « Mais rentre, chérie, c'est ici. » Il y a peut-être des gens qui... Même à Lyon, là, qui sont dans le coup avec Barbie, non ?
Il est certain qu'on ne fait pas de police sans informateur. Ouais. Jusque-là, on avait plutôt entendu parler d'André, des gens comme ça, quoi. De gueule tordue. De gueule tordue, oui, qui venait garer sa voiture sur le garage qui est juste à côté, là. Qu'est-ce que tu joues, là? Non, j'ai coupé. Il y a quelques années, en promenant à la foire de Lyon, j'ai rencontré, assidûment devant une vitrine, un ancien agent de la Gestapo, dont je ne peux révéler le nom, étant donné qu'il vit toujours. Mes copains de déportation m'ont toujours parlé de cet individu qui a minimisé son rôle au cours des instructions en disant qu'il était chauffeur de la Gestapo. Il a reconnu être chauffeur de la Gestapo, c'est tout ménage. Absolument, oui. Aucune participation au sévice qui s'effectuait. Je me suis souvenu de cela et je lui ai envoyé deux claques. Qu'est-ce qu'il a dit? C'était en quelle année, ça? Oh, écoute, c'était en 68-69. Et je suis passé au tribunal, où j'ai été condamné. Pour blessure? Ouais. Il avait dit au juge que je l'avais frappé à coups de poing répétés sur la figure. Le juge d'instruction, qui était un type intelligent, m'a dit, montrez-moi vos mains, monsieur. Ben, je dis, voilà. Fermé. Il m'a dit, ben, deux coups de poing comme ça, il y aurait eu plus de dégâts. Alors, vous avez pris deux claques, monsieur. Et je vois encore quelquefois dans la rue, il a un pare-dessus mastic, toujours le même. Mais quand il me voit, il change de trottoir. Je suis pas patient. Et c'était un adjoint de gueule tordue ou... Oui. C'était la bande du PPF. Le petit voyou, c'est un petit voyou du PPF. Il ouvrait la porte, il entrebâillait, il dit alors, qu'est-ce que je fais? Alors, c'est pas toujours l'autre qui me donnait des coups de nerf de bœuf. C'était le garçon de 20-22 ans qui me mettait en capilotade, coup de pied dans le ventre, pour participer, etc. Oui, bien sûr. Alors, voilà. Vous restez combien de temps? Et alors, l'Allemand me menaçait en disant, bon, je vais être obligé, monsieur, je vais être obligé de faire revenir l'autre. Bon, c'est des techniques élémentaires, je dois dire, n'est-ce pas? Ça n'a rien de tellement spécial, mais enfin, c'est ainsi que ça se passait. On nous faisait monter dans les étages, et là, nous allions dans le bureau où se trouvait notre questionneur, n'est-ce pas? Et c'était tantôt Barbie, tantôt ses adjoints, mais toujours, et ça je tiens à le souligner, avec des auxiliaires français. Gueule tordue est passé, et il a dit, c'était le grand Max qui frappait à ce moment-là, il lui a dit, tu as l'air éreinté, passe-moi le truc, pose des questions, je cognerai. Il a cogné, et je... J'ai bien peur que ce soit lui qui ait eu ma vertèbre fracturée. Et Barbie était dans la pièce. Barbie était dans la pièce. Il attendait son tour de frapper. Madame Lesèvre, vous avez été arrêtée en gare de Perrache. Oui, au cours d'une mission. C'était quand? Le 13 mars 1944. J'avais un courrier en maître au dernier train qui partait pour Paris le soir. Je savais que j'étais chargée, j'avais des papiers à détruire. J'avais surtout des photos d'identité qu'il fallait faire disparaître parce que c'était très très difficile, et manger des photos d'identité, ce n'est presque pas possible. J'imaginais mon arrestation très souvent parce que j'ai eu bien l'occasion de me faire prendre. J'imaginais que je serais une loque pitoyable qui tomberait à leurs pieds. Et à partir du moment où j'avais passé une journée épouvantable, je dois dire, j'étais angoissée, j'avais peur. Qu'à partir du moment où j'ai été arrêtée, pof, tout est parti. On m'emmenait dans un grand salon élégant. Il y avait des portraits immenses de tous les Hitler, Goebbels, Göring. Oui. Et je les regardais, moi j'étais très décontractée, j'étais très femme du monde, je posais des questions, on répondait gentiment, de temps en temps on criait. J'ai été fouillée, on a pris les papiers que j'avais sur moi, et tout d'un coup, on est tombé sur un pli Didier. À ce moment-là, ça a été la révolution. Didier était le capitaine Chambonnet, chef de la Hesse dans tout le Sud-Est. La Hesse, c'est l'armée secrète. Et à ce moment-là, on m'a dit, c'est vous Didier. C'est pour ça que j'ai eu tellement d'ennui. Il ne savait pas si c'était un homme ou une femme. Et il a été exécuté place Bellecour. Vous savez, ils sont allés prendre 5 otages à Montluc. Oui. Un jour, ils ont pris le capitaine Chambonnet, ils l'ont abattu place Bellecour avec 4 compagnons. Oui. J'ai passé la nuit dans la cave, et le lendemain matin, les soldats m'ont emmené.
Et je suis arrivée dans une pièce curieuse, enfin dans une pièce qu'on n'est pas habitué à voir, bien entendu. Il y avait des chaînes qui pendaient du plafond, des harnachements bizarres, des menottes à griffes sur une table. On m'a bien laissé tout examiner. Il y avait des menottes avec des griffes intérieures, vous savez. Oui. Barbie est arrivé presque aussitôt. Il m'a passé les menottes à griffes, il a serré, serré, serré. Après, on m'a mis un corselet et on m'a... mes pieds ont quitté le sol, on m'a pendu et je ne sais pas comment ça se passait. J'ai tout fait. J'ai eu 19 jours d'interrogatoire, dont 9 à la chambre de torture. On m'a aidé un peu parce qu'à la fin, j'hésitais à me dénuder complètement. Et puis, je suis entrée dans la baignoire glacée. On m'a attaché les pieds sur une planchette qui avait une chaîne, les mains liées derrière le dos. Et la séance a commencé. Le grand Max puisait de l'eau dans la baignoire avec une boîte à biscuits. Le Turc me pinçait le nez et on enfournait l'eau dans la bouche. Moi, j'ai cru que mes poumons allaient éclater. Mais non, on est quand même plus solide qu'on ne le pense. Et puis, ensuite, toujours les questions auxquelles... Après, je ne répondais plus. Toujours répondre non, non, non. Je ne répondais même plus non. Alors, Barbie tirait la chaîne. Je partais au fond de la baignoire. Il avait une grosse montre qu'il avait accrochée pour ne pas la mouiller, sans doute. Ça a duré 2 heures. Et Barbie m'a dit, à la fin, puisque tu ne veux pas parler, parce qu'on en venait au tutoiement très rapidement, puisque tu ne veux pas parler, on va aller chercher ton mari et ton fils. Et là, tu seras obligé de parler. J'ai vu arriver mon mari et mon fils, enchaînés l'un à l'autre. Il avait toujours été convenu que si l'un de nous se faisait prendre, il prenait tout à sa charge. Ce que j'ai fait, mais ils ont gardé mon mari et mon fils, qui eux ne sont pas revenus. Ils ne sont pas revenus? Non. Jean-Pierre avait 16 ans. Et il a été torturé par Barbie. Et on m'a ramené dans un cachot vide. Et là, un soldat allemand m'a soigné toute la nuit. Mais sur ordre, certainement. Alors, il faisait chauffer des pierres, j'ai bu du café, je claquais. J'ai eu, paraît-il, le soldat m'a dit, une crise de nerfs terrible. Il a fallu appeler un médecin. Moi, je ne me souviens pas de ça, de tout ça, du tout, du tout. Et alors, je me souviens que là, quand je reprenais connaissance, le soldat allemand qui était là me disait, « Madame, vous faites la guerre des communistes et des capitalistes. Ça n'en vaut pas la peine, parlez tout de suite. » Donnez un brave garçon. Un brave garçon, oui, qui a été très, très gentil. Quand je restais la nuit au cachot, il m'apportait toujours un café chaud. Mais alors, anti-juif, hein, quand il y avait un juif, il cognait. Le brave garçon était un antisémite. Antisémite. Mmh. Et alors Barbie, la violence de Barbie, Barbie descendait faire son tour dans les caves. Alors il y avait des gens par terre qu'on ne pouvait pas mettre sur des chaises, ils n'auraient pas tenu, ils étaient couchés à plat ventre par terre. Barbie, du bout de sa botte, relevait la tête. Oui. Et s'il croyait reconnaître un juif, oui, un juif, il écrasait le visage avec sa botte. Was Barbie anti-Semitic? Oh, Barbie, yes. I would say so, absolutely. He talked about it in these evenings by the chimney or on the veranda. Well, it was the rantings about, you know, I mean, everything, for example, everything bad, you know, came from the Jews. How did he feel about Jews? Did he talk about it? He was certainly not... Pro-Semite. Pro-Semite, no. But I wouldn't call him an anti-Semite. Je me souviens du premier jour où je suis retournée à la prison. Il m'a accompagnée. Il a fait sortir ma mère sur le pas de la porte. Et ça, c'est une des choses que je ne lui pardonne pas. D'ailleurs, il n'a jamais demandé pardon. Il lui a dit, tu vois dans quel état est ta fille? C'est toi qui en es responsable. Si tu me donnes l'adresse des 2 autres enfants, je te promets que tes 3 enfants iront à l'Anticaille. C'était là où on mettait les enfants d'habitude. Il y en avait très peu à la prison. Si vous voulez, il rejetait cette responsabilité sur maman. On a été séparés de papa tout de suite. Et avec maman, nous sommes allés à la cave, à la prison de Montluc.
Je me souviens de cette cave, il y avait de la paille par terre. Et puis un... comment on appelle ça, un soupirail. Et comme tous les enfants, j'étais intéressée par les bottes qui marchaient devant le soupirail. On n'avait pas envie de dormir, ni l'une ni l'autre. Il y avait une myriade d'étoiles. Le ciel était très, très étoilé. J'ai repris conscience dans un salon élégant. J'étais dans un fauteuil confortable. À l'époque, on faisait des grands vases avec une rose dedans. Il y avait un grand vase avec une rose. Il y avait un piano, une pianiste qui jouait des valses de Chopin. Et j'ai repris conscience, là, Barbie à mes genoux, qui me tendait un cordial, je n'ai jamais rien vu de ce qu'on m'a présenté, et qui me disait, vous êtes vraiment très courageuse, mais je dois vous mettre en garde. J'ai connu des femmes, des hommes aussi courageux que vous. Ils ont tenu longtemps, et puis un jour, ils ont parlé. Il me faisait son Heil Hitler, et moi, je disais bonjour, et c'était tout, n'est-ce pas? J'avais surtout... Terencien m'occupait de mes renseignements que je voulais avoir avec la Gestapo, parce que j'étais chargé par le préfet de suivre un travail qui avait été commencé. Je n'étais pas le premier. Il y avait un autre Alsacien qui était plus âgé dans le service de police, qui était un secrétaire de police aussi, qui avait ouvert ce service de relations franco-allemandes. Mon père était arrêté à la Bourse aux Timbres le 30 janvier 1944. Oui. Or, c'est une rafle faite par les Allemands, place Bellecour à Lyon. On a arrêté tout le monde, tous les gens qui étaient à la Bourse aux Timbres. On a dit les Juifs d'un côté, les autres de l'autre. Papa, comme toujours le premier, avec sa médaille militaire, est très fier de son passé d'ancien combattant et croyant qu'on ne toucherait jamais aux anciens combattants français, s'est mis tout de suite du côté des Juifs. Il a eu le temps de parler à quelqu'un qu'il connaissait, qui n'était pas juif, et lui dire « Allez prévenir tout de suite ma femme ». Il a donné notre adresse à Lyon, lui dire de s'en aller par tous les moyens, de fuir. Quelqu'un venait chez nous au bureau, disons « Mon papa a été arrêté par des Allemands à telle et telle adresse, à tel et tel jour ». Et on ne sait pas ce qu'il est devenu. Alors, on avait reçu des instructions de nationales dans les préfectures, comme quoi qu'on devait alors faire des listes en double et les amener à la Gestapo pour demander des renseignements. On me disait que Monsieur Barbier, que c'était Barbier qui avait notre liste. J'étais obligé d'aller le voir. Alors, il me disait toujours... adressez-vous à tel et tel. Ah bon? Alors, il nous disait, naturellement, pas toutes les précisions, on disait soupçonné d'appartenir à un mouvement de résistance, marché noir, juif... Mais le cas de mon père est très spécial, parce qu'il a été torturé par Barbie, probablement en tant que résistant, mais il a été arrêté comme juif, par hasard. Mis à la baraque des Juifs. Il était très autoritaire, très autoritaire. Ça, on le voyait déjà à son geste ou quand il donnait un ordre à un sous-officier ou à un chef de service, n'est-ce pas? Paris. Arrivée de M. Heydrich, général des SS, chef de la Sûreté, représentant du Reich à Prague, chargé par le chef des SS et de la police allemande, M. Himmler, d'installer dans ses fonctions M. Oberg, général de division des SS et de la police en territoires occupés. On sait que la Commission internationale de la police criminelle a pour président M. Heydrich et que la France a toujours été représentée à cette commission. Klaus Barbier est arrivé à Lyon, il était lieutenant. Il est reparti capitaine. Il est reparti capitaine. Oui. Le général a profité de son séjour à Paris pour recevoir M. Bousquet, secrétaire général à la police, et M. Hiller, secrétaire général à l'administration. M. Heydrich a également pris contact avec M. Darquier de Pellefoy, qui vient d'être nommé commissaire général aux questions juives, ainsi qu'avec M. de Brinon. À la école de santé, on n'entendait jamais un cri ni rien. Mais au boulevard des Belges, où c'était pas préparé comme d'habitude, n'est-ce pas? Alors là, on entendait les cris. On entendait des cris à travers des doubles portes, comme chez moi, vous voyez? Mais on ne se permettait rien. Hein. Mon père a été, comme vous le savez, torturé à mort par Barbie. On l'a pendu par les pieds, on lui a arraché la peau.
On l'a ébouillanté. On lui a mis la tête dans une cuvette d'ammoniac. Il a eu aussi la baignoire. Il était brûlé au troisième degré sur presque toutes les parties de son corps. Il ne pouvait plus ni s'asseoir, ni se coucher. Rien. On ne l'a jamais soigné. Et il est mort le troisième jour. Comme ça, brusquement, probablement d'un étouffement, comme les grands brûlés, ils ne respirent plus. Lorsque ça allait vers la fin, oui. N'est-ce pas, j'allais donc tous les jours, presque deux fois par jour, j'allais à la Gestapo pour essayer de sauver des gens. Et André Froissart m'a dit que lorsqu'il est mort, il a montré tellement de courage qu'ils se sont tous levés dans la baraque, ils ont chanté la Marseillaise. Vous voyez, j'ai une liste de gens là, où je suis arrivé, j'ai intervenu. Et là-dedans, il y a par exemple, je me suis occupé à un moment donné du fils du ministre, de l'ancien ministre Froissart, oui. Qui a été arrêté pour avoir utilisé du matériel militaire. C'est lui que vous avez aidé. Froissart, oui. Et il est arrivé à être libéré. Le fils du ministre. Oui. J'ai dû le patron des fromageries belles. Ah, le patron des fromageries belles. Oui. J'avais 6 types. À Montluc, qui était arrêté par les Allemands, et où les gens ont insisté. Un, c'était un curé, l'autre, c'était le directeur de l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon. Et encore quelque chose. Sur ceux-là, oui. Je suis arrivé sur ces 6. Il y avait le patron de du laboratoire de police de Lyon. Ah ben oui, c'est important ça, oui. J'ai l'impression qu'à bien des époques dans la vie, pas seulement l'occupation, il vaut mieux être riche et célèbre, ouais. Que pas riche et célèbre. Pas célèbre, oui. C'est parmi, en dernier lieu, qui dirigeait la Gestapo à la fin de la guerre, voilà. N'est-ce pas? Les Lyonnais sont des gens très fermés. La société lyonnaise accueillait peu les Parisiens. Elle restait bien enfermée sur elle-même, les uns vichistes, les autres pas vichistes, et surtout essayant de survivre. Bon. Madame Merlet, vous avez publié à compte d'auteur un oui. Livre. De la boue qui ne tâche pas, oui. De la boue qui ne tâche pas, oui. C'est ça. Ça veut dire j'ai été éclaboussé, mais pas entaché. N'ayant rien à me reprocher, pas du tout taché. Vous avez été condamné. Vous pouvez nous dire à quoi vous avez finalement été condamné. J'ai été condamné à 10 ans de travaux forcés, qui ont été ensuite ramenés à 3 ans de simple prison. Oui. Nuance entre les travaux forcés et prison. Et ce qu'on appelle l'indignité nationale. Alors, j'ai été relevé de cette indignité nationale en chambre civique. Est-ce qu'ils ont examiné mieux le dossier, finalement? Peut-être aussi les temps qui avaient changé. Ce n'était pas le même commissaire du gouvernement dont vous dites dans votre livre non, qu'il était non, communiste. Non, c'était qu'est-ce pas qui est même. Arrivé à celui dont vous disiez qu'il avait... Oui, il a eu des complications à un moment donné, je pense que ce qui lui était bien arrivé. Mais il a disparu. Oui, oui. D'ailleurs, tous les gens qui m'ennuient, je sais pas, je porte malheur un peu. Ils ont tous des ennuis, ceux qui m'ont fait du mal. Ceux qui vous ont fait du mal ont tous oui, eu oui, des ennuis. Oui, oui, même dans la vie courante. Si quelqu'un me fait du mal, je porte malheur. Vous portez malheur? Oui, oui, je crois. Ah. Ils ont tous des... Il faut faire attention qu'on ne vous fasse pas du mal. Oui, il ne faut pas me faire de mal. Oui. Surtout à mon âge. Je vous dis dans votre livre que vous avez été accusé d'avoir pris de l'argent des familles juives. Est-ce que c'était la location de votre villa? Ah oh, oui, probablement, oui. Vous avez loué la villa à un prix normal ou un prix fort? Oh, mais tout à fait normal. Et je vous dis, le commandant Vauban, je ne le connaissais pas, c'est sa femme qui avait loué. Oui, non, là pour l'instant, je pose la question sur les familles juives. Il y en a eu combien? Il y en a eu plusieurs. C'est-à-dire, il y en a eu une, et puis ils se recevaient les uns les autres, vous savez, mais il n'y en a qu'un seul qui était... Et il louait votre villa. Qui était locataire, vous savez. Il louait votre villa. Oui, oui, oui. Mais ça ne m'a pas rapporté quoi que ce soit, vous savez. J'aurais dû être arrêté par les Allemands, alors que je l'ai été par les Français. Vous avez fait de la résistance, madame. Bon, oui,
Je me demande même comment il n'est jamais rien arrivé. C'est ce que vous dites, monsieur, que vous faisiez de la résistance, que vous cherchiez à avoir des renseignements à la Gestapo pour les transmettre à d'autres. Est-ce que c'est ça que vous voulez nous communiquer? Non, on ne c'était pas... Parce que si c'était aussi pas c'est ça, il faut me le dire. Non, c'était pas de l'espionnage. Non. J'ai fait de la résistance, oui. J'ai fait des fausses passes, des faux passeports quand j'étais à la police. J'ai eu des attestations comme ça, ça serait trop long à vous les montrer. Une personne qui était logée dans ma résidence secondaire... qui me demandait des faux papiers pour des juifs. Elle était avec un juif, cette personne, et puis il y en avait une quantité. Alors c'est comme ça que j'ai été amené à faire des faux papiers, vous savez, pour des juifs, pour des résistants, pour des... Nous savons aussi tous que nous devons à votre collaborateur, M. Armand Suchner, qui s'est montré un avocat scellé et si convaincant, soyez... assez bon pour lui dire notre gratitude. Mais enfin, madame, vous avez été condamnée en partie parce que... Non, pour intelligence avec l'agent d'ennemi, c'est tout. Oui. Mais alors... on n'a pas prouvé ça du tout. Oui, pour intelligence avec un agent de l'ennemi, c'est-à-dire avec Max Payot. Avec Max Payot. Le très célèbre Max Payot, dit le beau Max, qui a été fusillé au moment de la libération. Oui, j'ai été arrêté par des Français d'abord. Oui. On m'a amené à la milice où on a commencé à me frapper. Ensuite, comme je ne parlais pas, on m'a emmené à la Gestapo. On m'a asséné des coups de pied, des coups de talon sur la tête et des coups de pied dans les côtes, etc. Je ne bougeais pas. Oui. J'ai refusé de parler. Il m'a mis un pistolet sur le ventre en me disant « Si tu ne me donnes pas le nom de ton chef, je te tue. » Ça, c'est Max Payot qui le faisait. Il a été assassiné avant tout jugement, Max Payot. J'ai su qu'il avait été condamné à mort. On a demandé à notre unité d'envoyer un volontaire pour qu'il soit fusillé. Et qu'il ait été assassiné dans sa prison avant d'être jugé. Et c'est mon camarade, Antoine Palomares, qui demeure à Vénissieux, qui a été volontaire et qui a participé à l'exécution dans la cour, je crois, de la prison de Fort-Montluc. Vous voyez, le lendemain de la libération, quand il n'y avait pas encore personne à Lyon que les résistants, si vous voulez. Bah, moi, je ne veux rien du tout. Qu'est-ce que c'est que les résistants, si vous voulez? Je ne comprends pas. Eh bien, ils cherchaient les gens qui avaient travaillé avec les Allemands. Oui. Ils m'avaient arrêté pendant deux... Oui. Oui. Ils m'avaient arrêté pendant 2 heures. Oui. Et alors là, le directeur du laboratoire est tout de suite venu. J'ai pu l'alerter. Et 2 heures après, c'était fini. Fini, oui. Max Payot fut accusé d'avoir participé au massacre de Saint-Genis-Laval. De Saint-Genis-Laval. Oui, oui. C'est-à-dire oui. Une des atrocités reprochées à Klaus Barbie. Oui, oui, exactement. Cette accusation qu'il ait été milicien, qu'il ait été ordonné par Barbie de... Il est venu chez moi fréquemment me demander des papiers, me demander... S'il avait été à ce moment-là agent de l'ennemi, il m'aurait arrêté. Oui, mais vos rapports avec Max Payot étaient quand même assez orageux selon les époques, parce qu'il est venu avec un brassard FFI le 3 septembre 1944 à votre domicile, oui. Et c'est lui qui vous a arrêté. Mais oui, et alors à ce moment-là, je n'étais pas accusé d'intelligence avec un agent d'ennemi. Un homme tout à fait innocent peut-être, oui, puisqu'il enfin, se cachait sous des uniformes divers. De quoi étais-je accusé à ce moment-là? Je n'étais pas accusé d'intelligence avec un agent d'ennemi, puisque Payot lui-même procédait à mon arrestation. Et après, à la prison, quand je voyais les femmes torturées comme elles l'avaient été, j'en étais sidéré, vous savez. Une avec le manche à balai introduit dans l'anus, il la faisait marcher comme ça. D'autres blessées, vous savez, perdant leur sang en abondance, les crânes rasés, bien entendu. À la fin de la guerre, tu as fait partie d'un comité, sinon pas d'épuration, du moins de... Oui, j'ai été nommé membre d'un tribunal, mais j'ai pas eu de cas pendables. Si j'avais eu des cas de gens ayant dénoncé des résistants juifs ou n'importe qui, je n'aurais probablement pas, certainement pas, agi avec la même... Mais les gens que j'ai avec eu... La même dénoncé... quoi avec la même, avec eu... la même quoi tolérance, indulgence, mépris. Mépris. Volontairement, pour minimiser ce qui a été odieux pendant toute l'occupation, la trahison, la dénonciation,
on essaye de mettre en parallèle les quelques exécutions sommaires qui ont pu avoir lieu après la libération. Des choses horribles. J'étais pas bien fier à ce moment-là, vous savez. Je disais non, alors quand même. Je vous dis, je veux pas soutenir Barbie, bien loin de moi de soutenir Barbie. Mais les Français, à ce moment-là, sûrs des Français, Barbie encore, c'était sur l'ennemi. Hein. Je me souviens pour moi de la découverte extraordinaire a été de voir le film d'Alain René, Nuit et brouillard, des choses que je ne soupçonnais pas et que la plupart des gens ne soupçonnaient pas. Donc, nous n'avions pas dans l'idée que le massacre avait été fait à la fois de manière si grande et si systématique. C'est presque impossible même de l'imaginer même aujourd'hui. Vous écrivez « Je veux bien croire à l'horreur des camps allemands que j'ai eu l'occasion de voir, d'écrire dans un film de propagande. Oui. » Vous avez vu un film de propagande sur les, sur les camps, oui. Sur les camps de concentration? Oui, oui, oui. Oui, oui. Ce film de propagande, vous vous rappelez comment il s'appelait? Ah non, je m'en rappelle. C'était Nuit et brouillard? Oui, je m'en rappelle pas. Et pourquoi vous pensez que c'était un film de propagande? Vous pensez que c'est exagéré, les histoires de déportés, oui, de camps de concentration? À ce moment-là, on m'a dit qu'il y avait un charnier qui venait d'être découvert à Bron. C'était un charnier de gens fusillés par Barbie, sur les ordres de Barbie. Et j'ai eu l'idée de faire venir les journalistes suisses au déblaiement de ces cadavres enfouis dans le sol. Et toi, par des gens de la Croix-Rouge, n'est-ce pas? Oui, mais toi. Bah, moi, j'étais là et je fumais une cigarette pour ne pas sentir cette odeur de pestilence. Parce que quand une guerre est déclarée, quand il s'en passe de toutes les couleurs, comme on vous parlera de l'assassinat de Jeanne d'Arc par les Anglais, je suis étonné. Que 40 et quelques années après, on revienne sur l'histoire Barbie. Da drüben gewohnt hat, hier in dem Eckhaus da. Hier in die Weißen? Ja, in dem hier da. Wo die Gebrüder Grimm gewohnt haben. Ja. Jakob Grimm, der berühmte Märchenerzähler. Aber in diesem Haus hat auch der 1945, 46 der Klaus Barbie gewohnt. Wissen Sie, wer das ist? Leider nicht. Doch, davon habe ich gehört, dass er irgendwo hier mal gewohnt hat. Ja? Ja, aber das ist das Haus, da wusste ich nicht. Das ist schon hier für Marve, ist mir schon... Ja. Das ist, wenn die, durch die Studentenbewegung ist, die Nationalsozialistische Bewegung ist das auch hier in Marburg groß geworden, sozusagen. Meine
angehören, waren selbst mit den Nationalsozialisten nicht einverstanden, sodass bei uns zu Hause manches bekannt war. Was, aber dass der hier gewohnt hat, erst sagt mir der Name nichts und zweitens seine schreckliche Funktion sagt mir auch nichts. He had been arrested in Marburg, which is part of the Bad Nauheim region. He'd been arrested there and he'd escaped. Bobby's the only one that escapes out of Marburg, out of a bathroom window or something. That's right. Like that. That is ridiculous. Allegedly. Allegedly. I ordered him to be arrested because he was a wanted person on our list. He was in contact with the Americans before? Of course he was with... He must have been with them before. Why should he be the only ones that... Only a German officer that slipped through that one great paper chase that we had? Towards the end of February 1947, there was a big CIC operation all over Germany, which was called, the code name was Operation Selection Board, to arrest Nazi underground and SS underground people. Exemplary for the career of West Germany, because after the war the problem was East-West conflict, and in this the American and the English and the French could use all the knowledge of the Nazis in the Cold War against the Russian. It worked, and Barbie worked. You know, I mean, he didn't fool the American. He was saying, okay, now it's finished against the English, the American, but the main enemy. I'm still a specialist. I'm the specialist of police method. The main enemy is the communists, and I help you. Please, teacher, teach me something. Nice teacher, teach me something. I'm as awkward as a camel. That's not the worst. My 2 feet haven't met yet, but I'll be teacher's pet yet, 'cause I'm going to learn to dance or burst. I'll get that thing yet. Nothing's impossible I have found, for when my chin is on the ground, I pick myself up, dust myself off, and start all over again. Can't lose my confidence if I slip, I'm grateful for a pleasant trip. I pick myself up, dust myself off, and start all over again. Meine Generation, und jedenfalls ich kann es für mich beanspruchen, habe das gelernt. Etwas, was mir unbekannt war. Ich bin im Nationalsozialismus aufgewachsen und war 45 ein Geschlagener, befreit nur partiell, befreit von Angst, befreit von Feldwebel, aber doch jemand, der lernen musste, mit Freiheit als Grundbedingung menschlicher Existenz zu arbeiten und umzugehen. Meine Damen und Herren, dank einer leichten, aber ausreichenden Granatsplitterverletzung
erlebte ich den Takt der bedingungslosen Kapitulation des Großdeutschen Reiches im Lazarett. Gewiss waren gegen Kriegsende diffuse Zweifel aufgekommen, doch von Widerstand keine Rede. Seit meinem 15. Lebensjahr wusste ich, dass es in der Umgebung meiner Heimatstadt das Konzentrationslager Stutthof zwischen Ostsee und Haff in malerischer Umgebung gab. Allzu verführerisch war und ist es, sich auch zu den Befreiten zu zählen, wobei das peinigende Wissen verdrängt wird, dass die Masse des deutschen Volkes alles getan hatte, um diese Befreiung zu verhindern. Ich bin nach Wittlich gefahren mit dem Zug. Und da hat eine Frau da gesessen, das war aber nach dem Krieg. Ich kam aus der Gefangenschaft und ich habe die Frau nicht mehr gekannt, nicht? Und da hat sie einmal gesagt zu mir, Johann, kennst du mich nicht mehr? Du sag ich, nee. Ich bin doch Frau Barbie. Oh, ich habe mich richtig entschuldigt. Da sag ich, ja, Frau Barbie, wo ist denn der Bub? Ja, leider, Hanni, der Bub ist interniert. Der darf nicht mehr nach Deutschland zurückkommen, der war bei der SS. Weil da wussten wir aber auch noch nichts. Was sagten Sie mir am Telefon gestern, wie Sie uns zugesagt haben? Ich meine mich zu erinnern, Ihnen gesagt zu haben, dass ich Barbie 1945 als fantastischen Kerl kennengelernt habe. In Germany is easier to find 200,000 people fighting against the destruction of 6 million trees than 200,000 people fighting against the destruction of 6 million Jews. Man soll sowas beenden. Es wäre an der Zeit. In welcher Hinsicht beenden? Na, dass man endlich mal aus diesem ganzen Kram, der so 40 Jahre fast her ist, nun mal Schluss macht. Ich war eine Kämpfernatur. Ich kann Ihnen hier Unterlagen zeigen. Ich habe hohe Auszeichnungen. Bin mit der Nennung im Ehrenblatt des Deutschen Heeres ausgezeichnet. Ich stehe im Ritterkreuzträger der Waffen-SS in dem Buch unter der Nennung im Ehrenblatt des Deutschen Heeres und habe von Hitler so eine Urkunde. Mann, bleiben Sie sitzen, bleiben Sie. Ja, ich wollte sie Ihnen mal zeigen. Und die Tätowierungen der Waffen-SS, die haben Sie vermutlich noch. Die habe ich nicht mehr. Konnte man die loswerden? Ja, also, ich weiß nicht, wie ich mich dazu ausdrücken soll. Auf jeden Fall sah meine dann so aus, als hätte ich da einen Einschuss und da einen Ausschuss gehabt. Ah ja. Also mehr sage ich dazu nicht. Waren Sie freiwillig bei der SS? Ich war freiwilliger SS-Mann. Freiwillig ja. SS. Stehen Sie auch heute noch zu diesem Engagement? Herr Olsen. Offels. Herr Offels, ich habe Grund, stolz zu sein. Wegen der Kameradschaft, die es nirgends gleichermaßen gab und wegen folgender Überlegung. Ich sage das allen, die jetzt zuhören. Ich gehe davon aus, dass die westliche Welt es einigen SS-Divisionen, ich zähle sie gleich noch namentlich auf, zu verdanken hat, dass der Russe nicht schon Ende 43 bzw. Anfang 44 am Ärmelkanal gestanden hat. Als ehemaliger Kompanieführer der Waffen-SS glaube ich, das beurteilen zu können. Leibstandarte Adolf Hitler, Totenkopf-Division, Viking und meine Division, das Reich. Das Reich. Sie gehörten zu der Division, das Reich. Das Reich, ja. Also der Mann Oradour vorwirft. Ja, leider. Ich sehe da immer noch nicht ganz klar, was da gewesen ist. Sie waren da nicht dabei, ich war zufällig. Nicht dabei, nein. In Frankreich war ich nur zur Auffrischung, zweimal. Wenn ich beteiligt gewesen wäre, ich würde keinen Hehl daraus machen. Ja. Denn ich kann mir vorstellen, dass wenn es wirklich sowas gegeben hat, dass das nicht ohne Grund geschehen sein kann. Nicht ohne treffenden Grund, zum Beispiel vorausgegangene hinterhältige Erschießung meiner Männer durch Partisanen. Durch Partisanen ein Beispiel oder ähnliche Dinge. Ja. Aber hier sagten Sie, hier im Dorf wusste man von Ihnen, also man hat Sie hier vor dem Sieger beschützt. Im Grunde genommen ja. Und was ich dem Dorf auch zu danken habe. Also ich habe Klaus Barbie 1945 durch einen Kameraden kennengelernt. Schon nach wenigen Tagen hatte ich den besten Eindruck und hielt ihn für einen fantastischen Kerl. Meine Hunde zum Beispiel, das mag ein drastisches Beispiel sein oder ein simples,
die waren für ihn Feuer und Flamme. Und ich stand auf dem Standpunkt, ein Tier hat Empfindung, weiß zwischen Gut und Böse gut zu unterscheiden. Die Hunde? Hunde zum Beispiel, ja. Was dann, für Hunde waren das? Das waren Dackel. Wurde darüber gesprochen, dass Leute wie Barbie bei der Endlösung dabei waren? Hat er sich dazu geäußert? Ja, er hat sich praktisch, wir haben uns überhaupt nicht, insofern haben wir vielleicht alle gegenseitig einiges verdrängt, mag sein. Also unterhalten haben wir uns über diese Dinge nicht. Und wo kam er daher? Hat er darüber gesprochen, wo er herkam? Ja, aber das möchte ich, ich kann ihn die Städte nennen. Ja. Er kam mal von Marburg und er kam mal von Kassel. Ja. Das kann ich Ihnen sagen, aber die Adressen sage ich Ihnen nicht. Ich weiß, dass dieses Haus hier einem Bekannten gehört hat, der in das A war, ja. Der Schmidt. Ja. Und es ist möglich, dass hier ein bisschen Druck auf den gemacht worden ist und dass er den dadurch versteckt hat in der ersten Zeit. Da ja. Habe ich sogar mal mit übernachtet. Habe ich, ja. Fantastische Leute nach meinem Dafürhalten. Sie glauben nicht, dass er damals vom amerikanischen Geheimdienst gedeckt wurde? Ich kann dazu nur noch mal sagen, dass er mir das anvertraut hätte und dass, wenn es wahr wäre und ich es wüsste, ich es ihm nicht bestätigen würde. Ich habe, weil er mir mal die Frage gestellt hat, ob ich mit nach Südamerika gehen würde, allerdings gesagt habe, und nur unter der Voraussetzung, wenn ich meine Frau und meine Schwiegermutter, das beste Pferd im Stall, mitnehmen könne, dann ja. Das naja, beste Pferd im Stall, Ihre Schwiegermutter. Ja, ja. Ja, also... Da wären Sie also mit nach Südamerika? Wäre ich mitgegangen, ja. Waren Sie auch mit reinem Gewissen, wohlgemerkt. Ja. Von wann bis wann, Sie haben ihn gekannt? Von 45 etwa bis um die Karnevalzeit 47. Herr Dr. Knittel, Sie vertreten das Justizministerium und wollen uns ein Statement über Barbie vorlesen. Die Staatsanwaltschaft München I hat ein 1963 eingeleitetes Ermittlungsverfahren gegen Klaus Barbie am 22. Juni 1971 eingestellt. Barbie war zu diesem Zeitpunkt unbekannten Aufenthalts. Er wurde beschuldigt, als Leiter der Gestapo in Lyon bei der Festnahme und Deportation der jüdischen Bevölkerung in das Vernichtungslager Auschwitz mitgewirkt zu haben. Diesen Nachweis hat damals die Staatsanwaltschaft nicht für erbringbar angesehen. Mitbeschuldigte aus Barbies ehemaliger Dienststelle haben sich immer dahingehend eingelassen, vom Zweck der Festnahme und der Überstellung der Juden in das Lager Drancy keine Kenntnis gehabt zu haben. Diese Behauptung wäre auch Barbie damals voraussichtlich nicht zu widerlegen gewesen. Die Staatsanwaltschaft führt hierzu eingehend aus, dass die Vernichtung der Juden als geheime Reichssache der höchsten Geheimhaltungsstufe unterlag. Die NS-Machthaber waren offenkundig bemüht, den Kreis der Mitwisser klein zu halten. C'était un procureur, un jeune procureur d'ailleurs, de 30 ans, et d'ailleurs dont le père était juif, quelqu'un qui, dont la décision nous apparaissait quelque chose de dangereux, puisqu'elle venait d'un homme jeune, et puis qu'elle venait poursuivre sans doute sur incitation des autorités du parquet allemand. C'est des politiciens bavarois? C'était en Bavière, tout ce qu'on peut dire. Jedenfalls hat die Staatsanwaltschaft den für eine Anklageerhebung und Verurteilung notwendigen Nachweis nicht für möglich gehalten, wonach Barbie von der bevorstehenden Vernichtung der von ihm festgenommenen Juden konkrete Kenntnis hatte. Auch eine Auswertung der französischen Akten des Militärgerichts Lyon erbrachte damals keine Hinweise auf die Verantwortlichen bezüglich der betreffenden Tötungen. Ja, das ist es, ja. Danke sehr. Bitte sehr. Darf ich nur noch eine Frage? Ja, das stimmt. Ja. Dr. Rabel kann nicht aus. Nein, ist es so, wir sind grundsätzlich der Meinung, dass Entscheidungen... Der Meinung oder es gibt ein Gesetz? Nein, es gibt kein Gesetz, sondern es gibt Richtlinien darüber. Das muss man unterscheiden. Es gibt Richtlinien darüber, dass die... Nehmen Sie das jetzt auf? Ja. Oh nein, ach so, Entschuldigung, das habe ich nicht gewusst. Ich dachte, ich... Nein, ich frage nur, ob es ein Gesetz ist oder nicht, dass er doch... Nein, Entschuldigung, das war aber nicht abgesprochen. Entschuldigung.
Well, this is February something or other, 1986, and I represent Memory Pictures, and I'm about to make a statement, and we're still in Bavaria. This is a house where Bobby was recruited by the Americans, by the CIC, after the war in 1947, which is, as so many people keep reminding us, 39, almost 40 years ago. Think of that, almost 40 years ago. The Peterson Bureau was a list of some 50 names of people recruited by Bobby and his friend Merck to work for American intelligence. And there are notes on all of these people in the American files. Es sind 40 Jahre vergangen und ich habe aus Not gehandelt damals, ja. And now I have our friend Dieter Reifert here, who for the past weeks has been phoning these people, because we found their addresses through various means, consulting old telephone books. They had moved, they had died. Man hat mir versprochen, mir zu helfen, finanziell, mit Lebensmitteln und so weiter. Sagen wir mal, du stehst jetzt in München-Riem und rufst eine Dame am Schliersee an. Also, wie geht das vor sich? Ich rufe an. Ja. Sag, guten Tag, gnädige Frau. Ja. Mein Name ist Reifert. Ja, hallo. Ja, hallo. Wie heißen Sie? Mein Name ist Reifert von der Firma Memory Pictures. Memory, wie? Memory Pictures. Ja. Das ist eine amerikanische Filmfirma. Wir drehen hier zurzeit einen Dokumentarfilm. Ach, wie interessant. Ein Dokumentarfilm. Ein Dokumentarfilm. Ach, das ist aber nett. Um was geht's denn da? Da geht's um die deutsche Nachkriegsgeschichte. Auch um das Verhältnis von Siegern und Besiegten. Wie kommen Sie denn da auf meinen Namen ausgerechnet? Wissen Sie, ich habe mit all dem natürlich gar nichts zu tun. Ich bin ja persönlich ganz unpolitisch. Ich habe mir geschworen, du hungerst nicht. Die Not war groß. Und da habe ich mich dazu bereit erklärt, für den CIC zu arbeiten. Ich bekam vom Freistaat Bayern meine Lebensmittelmarke. Das war viel wert. Das sind 40 Jahre. Also meinen Mann haben sie ja umgebracht. Und ich war auch in Oberursel bei den Amerikanern. Ja, da wurde ich auch verhört. Ihren Mann haben die umgebracht, ach ja. Ja, aber mit dem, was Sie mir da sagen, habe ich eigentlich gar nichts zu tun. Um was geht es denn besonders? Und dann kommt der Punkt, wo dann irgendwann Reifert eben doch den Namen Barbie ausspricht. Und dann kommt Barbie? Wie sagten Sie Barbie? Nein, also den habe ich überhaupt nicht gekannt. Nein, also von dem weiß ich überhaupt nichts. Nein, es tut mir furchtbar leid. Vor der Kamera habe ich wirklich nichts zu sagen. Auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen, Herr Reifert. Auf Wiedersehen, Herr Reifert. Wiedersehen. 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 You are the man responsible for hiring Bobby. Yes, yes. No doubt about that, is it? Yes, no. On May 27th, 1947, you addressed a memo to the officer in charge. And point D, it says, Bobby impressed this agent as an honest man, both intellectually and personally, absolutely without nerves or fear. He is strongly anti-communist and a Nazi idealist who believes that he and his beliefs were betrayed by the Nazis in power. So I wish I could rewrite that today. You do. Perhaps especially right now. What is a Nazi idealist? You're asking me what I wrote 40 years ago. What were your motivations? Well, I mean, obviously, these are the reasons for hiring him. So what's a Nazi idealist in that context? Probably my goodness. I have no idea. Should I help you out? No, not necessarily. I know. Well, go ahead. Well, because you needed somebody who was against the communists, and the Nazis were. Yeah, that's one thing, but I'm thinking of the term idealist. Yes. That's why it's the first thing I pounce on. Yeah, I'm not sure that I can answer that today. I really don't know. If he ever would have known who Barbie was, he would never have hired him. But at that time, you didn't have much time to investigate it, but like what you have now. Tell us more about the difference in the attitude after the war, in the immediate aftermath of the war, where you encountered Merck and then later encountered Barbie. What was the attitude then?
Should I answer? Well, no. The attitude was very happy to be over with the war, be finished. We went through for so many years with no food. You people don't realize that. That an end to that. Just finish it. We were just glad everything was over with. How did that attitude affect intelligence work? Well, that's not entirely true, by the way, because many Germans wanted us to continue on to the east. And wondering, in fact, why we were sending the boys home, and why we didn't just continue fighting the communists. Of course, these were people who generally were either right-wing or Nazis, who felt that this was probably the continuation of what they saw as their struggle. Mm-hmm. In this sense... So you did get a sense of that? Oh, yes, very definitely. From your Peterson Bureau? Merck was this way, not strongly so. Apparently you went native. Well, to a certain extent, I suppose, yeah. Living over the weekends with Laney and Merck and his fiancée and other Germans were in and out of the apartment a good deal of the time. Die Amerikaner hatten da keine große Erfahrung in Spionage und Spionageabwehr und deshalb hat man eben Deutsche und Österreicher und so weiter dazu geworben, um dies... Die auch Erfahrung hatten. Die Erfahrung hatten, ja. Also auch Abwehr. Ja. Eventuell auch Gestapo. Also im Prinzip war ich hauptsächlich für die Abwehr. What happened at your wedding? Well, no Americans came. In fact, I'm not sure I invited them. I don't remember. But Merck and his fiancée were all our witnesses. Herr Polke, Sie haben vorhin gefragt, wie wir auf Sie kommen. Ja. Sie stehen auf einer Liste von Leuten, die laut amerikanischen Quellen für die Amerikaner gearbeitet haben, für die CIC. Nun, das ist vielleicht keine Schande, das will ich nur vorweg sagen, für die Amerikaner gearbeitet zu haben. Jetzt möchte ich gerne wissen von Ihnen, ob das stimmt. Ja, das stimmt. Ich bin dazu geworben worden. Die Not war groß, mir wurde geholfen. Ich kam als Soldat, heimatlos, brotlos. Ich war Brotfunker bei der Sturzkampffliegerei. Ja. You and your officers and the CIC were putting a lot of people on the payroll that you didn't know much about and didn't know personally. I was paying through Merck, yeah. Actually, I mean, what guarantee did you have that Merck and Bobby didn't put a lot of those names just on there because they were acquaintances and neighbors and they could keep the money? Trust and gullibility. Wenn Sie Auskünfte brachten für die CIC, wie oft sind Sie dann nach Memmingen, Augsburg gefahren? Alle 14 Tage bis 4 Wochen. Alle 14 Tage. Ist der Name Kurt Merck für Sie irgendwie bekannt? Es kann sein, dass ich ihn gehört habe. So ganz unbekannt ist mir der Name nicht. Gehört habe ich ihn irgendwie. Aber alles lief unter Decknamen. Apparently there was a Nazi underground. Yeah. And it was... And it's reflected in the list of the Peterson names. It may have been built around that organization. Yeah. Were you aware of that? No. Not in any formal sense, no. Did you ask them? Did I ask them? Ask them what they'd done during the war? I don't know. I probably did, yes. Politisch wurde überhaupt nichts gesprochen. Ich war nur ein Befehlsempfänger und ein Nachrichtenüberbringer. Mehr war ich nicht. Several times I met Barbie downtown in Augsburg with 4 or 5 shady characters. They're all black marketeers. He had them all on the payroll. And when they needed new ID cards, he'd come to me and says, let's go down and get new ID cards for these guys because they're being picked up since they didn't have the red stamp of being denazified on the outside of the German Ken Carter, you know. Yeah. And I would go to my clerk through the police department, CIC. We could do anything we wanted, and I'd get these guys new
ID Card. Ich habe hier die Liste, die wir aus dem Washingtoner Archiv raus haben. Und da sehe ich hier unter P, Karl Polke, Nummer, sie trugen damals auch eine Nummer. Das hat ja alles eine Nummer. Die weiß ich gar nicht. 184529. Und da drüber steht der Name, ich kann es gerne haben, da drüber, direkt da drüber steht der Name Klaus Barbie. Die Nummer muss ich mir notieren. So what is our job? Find out what the Russians are doing. And he had contact with some of his former SS officers. He claimed he had informants up as far as Moscow. From Barbie Portugal, did. Barbie. Portugal, he said, from Lisbon to Moscow, I have agents. So I said, gee, that's a heck of a good network, and I got to work with these people. Ich habe drüben Verbindung gehabt zu, kann ich offen sagen, in einer Großstadt, zu einer Abteilung K5 in der DDR. Also damals die Ostzone. Die hat damals die Ostzone, die für die Spionage und Spionageabwehr zuständig war. Und da hatte für ich die Sowjets. Für die Sowjets. Ja. Und da hatte ich gute Verbindungen. Ich konnte denen genau sagen, wen sie in Haft genommen haben, aus welchem Grunde, wie lange und wieso und wem so. Konnten sie das sagen? Den Amerikanern? Ja. You were the man in the string of controlling officers, which go through from Taylor to through Dabringhaus to you. You were the one who made the evaluation that he was better than Merck. More specific, yes. Better results. Yes. Why? He recruited a good many sources for us. He had a good set of eyes and ears, if you will, for determining where a particular source in the Communist Party or some other target group was available, could be turned for us, become an informant in place or an agent in place, whatever you want to refer to them, and he could do a good job of recruiting. Klaus Barbie war der Hauptagent, ja. Kurt Merck, ja. Vom sogenannten Petersen-Büro. Ja, so. Wissen Sie das? Nein, das weiß ich nicht, das ist mir neu. Das ist ja. Ganz neu. Aber Barbie ist mir bekannt durch Zeitungsartikel und so weiter. Ja. Das ist ein Bild von Barbie während der Besatzungszeit. Erkennen Sie, da ist der Eugen Kolb, da ist der Kurt Merck, das sind die ganzen CIC-Leute. Erkennen Sie da irgendeinen drauf, von aus der Mengminger Zeit? Den, wer ist das? Weiß ich nicht. Das ist der Kurt Merck. Das ist der Merck. Das ist den der kennen Sie. Alas Petersen, ja. Das ist der Petersen. Jawohl, gut. Ja, ja. Ich weiß Bescheid, alles klar. Das ist klar. The one thing you're looking for in the intelligence game is the reliability of your sources. So you're looking for good family fathers? Oh, no, no. There's a world of difference between high moral standards, high intelligence, and the ability to manipulate people, as you have to do in the intelligence business. And that he was extremely good at. Ja, man kann einen Menschen erpressen. Man hat auch Kuriere zu mir geschickt und so weiter. Da war ich ganz erstaunt, nicht? Sogar hübsche Frauen, die dann bei mir was abholen sollten, nicht? Aber ich bin da gut aus der Sache rausgekommen und ich war darüber froh, denn ich habe mich in eine heiße Sache eingelassen damit. Wird das hier in Deutschland irgendwie public? Das weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen. Sie geben uns eine Freistellung dafür. Nur, dass es für mich keine Nachteile bringt. Wie bitte? Nur, dass es für mich keine Nachteile bringt. Nachteile bringt. Ja. Und ich habe mich rechtzeitig abgesetzt, als es mir zu brenzlig wurde. Und ich bewundere, dass man mich nicht erpresst hat. Das bewundere ich bis heute noch. Ne? Aber was mich wundert, dass mein Name da so festgehalten ist hinter Barbie gleich und so weiter. Das ist wahrscheinlich aus rein bürokratischen Gründen. Ja, ja, ja. Barbie was not the type that needed to engage in torture. Not that he was adamantly opposed to it, that it appeared to him to be immoral, but our impression was he didn't need to because he was a damn skillful, shrewd interrogator. I remember one case, but I don't remember again how he got the information. It was very important information, had it worked, where he brought in information to the effect that the present chief of the Bavarian Communist Party, for all of Bavaria, had survived in the West because he had worked for the Gestapo in Germany. I should have sent Barbie. It might have worked.
go down to Munich and, frankly, blackmail the man. But I didn't. You should have sent Barbie. He'd have been a much better recruiter. But I was fearful of doing so. I thought perhaps the level was a little bit too high and it might have been too much of an insult to have sent an ex-Gestapo individual down to make the threat offer or whatever it was. Anyway, it didn't work. I'm afraid a week or so later, the whole thing was in a communist newspaper. CIC tries to blackmail KPD leader so-and-so. I've forgotten the man's name. And of course, the man paid the price because a few weeks after that, he disappeared. Another one of Stalin's victims. The one thing that I recall was that he found out that the Russians were mining uranium ore, and now they're going to have an atomic bomb. And they did get one in 49. That's an important piece of information. That was very important for us, and we knew the exact location in the town of Aue, Czechoslovakia. It's on the border of Czechoslovakia and Saxony there, Upper Saxony. So that was important. That was one bit of information I recall. So you was sent good. That up. That's my job. I send that all up. But you were happy to get that. Of course. I thought, in fact, I did get a promotion in the next 3 months. I went from a 9 to a 10 or something like that, and it's $1,500 more. Dobringhaus was not really an agent or a controlling agent. He never controlled anybody. He is what we call a housekeeping agent. And those were people who took care of safe houses, took care of the feeding, the payment, and other support that a source might need, like Barbie. Sure. That was, as my recollection of the files is concerned, was his primary role. Yeah, but excuse me, there is a contradiction, because here in the memo of May 11th, 1950, you say, in June 1948, when control of the net was taken over by Special Agent Erhard Dobringhaus. Did I say that? Yes, you did. Mm-hmm. Okay. I stand corrected that my memory's off. No big deal. In 83, you were the first one to identify Barbie as a former informant for CIC. He was a man who called a news organization and said Klaus Barbie used to work for the U.S. government. I mean, it's a fact. But it doesn't, it neither endears me or repels me. I am much more interested in the what the fact was. Yes, what the fact was. Doesn't like him, though. I don't think Dobringhaus was very credible. You're not Jewish. Not German, at all. No. Yes. I'm not Jewish. They always ask me that too because you're supposed to be Jewish. You if know, you're a be whistleblower, anti-Nazi. That's right. But if you're a whistleblower on the CIC, there's a strong suspicion that you Jewish. Must be secretly Jewish. Yeah. Well, I'm as kraut as they come, and we're Lutheran from Essen, Germany, the Ruhr Valley. My father was long time a Krupp. Steel worker, and there is no Jewish blood anywhere in our family. But I think Barbie got the wrong idea about me when we penetrated the communist cell in Augsburg. That's when Barbie found out that he couldn't trust me. Because I knew the first verse of the communist national anthem in German. Wenn Völker hört die Signale auf zum letzten Gefecht. Die Internationale erkennt das Menschenrecht. There's no American that knows that in German, you know. So he must have thought, oh my God, this guy is a commie, you know. So I got to be careful of him. And I think he passed that on up to our headquarters. Boy, because he must have laid a bomb right there. And I think that is still in Ryan's idea or in Browning's idea that I was left of center, you know. What did you think of Dobringhaus's whistleblowing? Well, I guess my feeling was that he was trying to protect himself. I think that he was trying to blow the whistle so that he could at least get credit for blowing a whistle. They thought that I was making America look bad in reference to France because they now had to admit that they hid information so long, and they should have told the French. After all, I think we're allies and friends. The United States apologized to the French government as a result of the Ryan report and I guess on the recommendation of the Ryan report. You recommended that they do so. Yes. That's a very spectacular
act, isn't it? Very unusual. Unprecedented. Unprecedented. And it just, the idea of an apology just occurred to me as the right and decent thing to do. It would give some tangible expression to the fact that we recognized our wrongdoing. How come the administration followed you so easily on this? The very time that President Reagan went to a military cemetery in Bitburg, Germany, put flowers on the graves of those German soldiers, both of the Wehrmacht and of the Waffen-SS. They didn't seem so terribly eager at the time to take the militant anti-Nazi view, did they? So how come the apology? It must have been the force of my brilliant argument. All the investigators that were on the Ryan report seemed to have been, company officials. They were working for the government. And maybe the fact that they had to spend some money to get this investigative report on Barbie and the U.S. government out, which must have cost considerable money, maybe they thought I caused all that. The world is shot through and through with moral ambiguities. And I feel very ambiguous about the moral aspects of the case. I don't like it. I never liked the idea of using Barbie particularly, simply because we knew, there's no doubt about it, we knew he was a Gestapo agent. Merck told me the whole story about several very important resistance organizations that they were able to eliminate. Merck was glad that he got it off his chest and told me, Dabringhaus, if you knew what this guy had done in France during the war, even Eisenhower wouldn't be able to protect him in Germany. General Eisenhower, the supreme Allied commander, gave the order of non-fraternization. No making friends, no human contact with the Germans, who by the war crimes they had committed, placed themselves outside of the society of civilized nations. Les Américains, en réalité, n'ont aucune excuse de ne pas avoir respecté les accords que nous avions conclus avec eux